lisons le psaume chapitre 33. Psaume au chapitre 33. Et lisons la parole du Seigneur. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, amen. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, amen. Car il dit et la chose arrive, amen. Il ordonne et elle existe. Amen. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, amen. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, amen. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, amen. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Amen. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, amen. Qui est attentif à toutes leurs amen. Actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, amen. Afin d'arracher leur âme à la mort, amen. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Notre âme espère en l'Éternel. Amen. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, amen. Car nous avons confiance en son saint nom. Amen. Éternel, que ta grâce soit sur nous, amen. Comme amen. Nous espérons en toi. Alléluia. Amen. 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 Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe si le mal surgit, l'Éternel. Garde confiance.
Seigneur notre Dieu. Que ton Seigneur soit glorifié encore dans ton roi. Nous avons cette certitude, notre Dieu, que tu es vraiment avec nous, Père. Tu as fait la promesse concevant. Seigneur, tu tiens tes promesses à toi. Là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, mon Seigneur. Et ce matin, tu es vraiment au milieu de nos Père Saint. Nous avons conduit au travers des chants des cantiques, mon Père Saint, par les psaumes, dans la louange, mon bien-aimé Père. Nous voulons te dire encore merci. Merci encore pour ton amour et ta bonté, Père. Pour tous nos frères ce soir qui sont venus de loin comme des frères, Père. Enfin que ce matin, nous soyons rassemblés dans ta maison à toi, pour avoir la communion avec toi, mon bien-aimé Père Saint. Oh Dieu, pour que toi, le Dieu, tu puisses encore réellement descendre, Père. Remplir encore chacun de nos mots, Maître béni, et agir encore puissamment, Père, dans chaque âme, dans chaque frère, dans chaque soeur, ici en ces lieux, et ceux qui sont aussi en connexion, Père. Nous te remercions encore pour ce peuple qui est à toi. Béni sois-tu encore pour cette nouvelle année, béni, mon Père, pour de la grâce pour réentrer, mon béni, mon Père, pour l'orienter avec toi, mon béni, Seigneur, et te plaire la grâce, mon Dieu, d'être bon Dieu et guérir encore davantage, béni, mon Père, par jamais, Seigneur, que tu guérisses encore davantage pour moi, puissions encore puissamment, comme les frères. Père, parmi ton peuple, mon Père, reçois donc l'honneur et la gloire qui t'est due. Louange et l'honneur à toi, mon Père, car nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Il est merveilleux de pouvoir réellement se retrouver encore ce matin. Amen. Seigneur, soyez tous le bienvenu de tout ce qui est venu des loin comme de près. Bien-aimés frères et sœurs de prier sur le sou avec le pasteur, notre précieux frère, Yves, nous sommes heureux de vous avoir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et nous sommes dans la joie parce que nous savons que vous êtes les nôtres aussi. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, nous récompense. Et en tout cas, que cette année-ci soit pour moi une très très bonne année. Que le Seigneur, notre Dieu, vous accorde des riches bénédictions. Nous remercions le Seigneur aussi pour notre précieux frère Marcel, notre bien-aimée sœur Cathy et la bien-aimée sœur Marie. Nous sommes venus d'Allemagne, effectivement, pour que nous puissions passer aussi ces moments aussi ensemble. Amen. Tous ceux qui sont venus aussi de loin, comme de près, depuis toute la semaine, nous avons eu des réunions. Donc, nous remercions notre Dieu de cette grâce qu'il nous a accordée pour que nous puissions avoir ensemble ce temps. Nous remercions le Seigneur d'être rassemblés encore aujourd'hui, car nous croyons qu'il agira. Nous croyons qu'effectivement, nous accordons encore davantage la grâce pour que quelque chose de plus soit à nous, pour que cette année-ci que nous allons commencer soit vraiment une très très bonne année. Je voulais donc inviter mon précieux frère Yves à venir. Aussi bien mot et aussi à présenter aussi ses vœux aussi aux frères et sœurs. C'est aussi son assemblée. Je sais que après il a déjà fait, mais ici aussi on t'attend. Nous voulons aussi l'entendre et aussi prier aussi pour le peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux venir, mon Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu est grand. Amen. Je suis heureux de vous saluer encore une fois. Amen. 2015, c'est terminé. Nous sommes en 2016. Ça va bientôt faire un an qu'on ne s'est pas vu, alors. Le temps passe si vite. Je suis heureux de vous saluer tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que celui qui se repose entre ses mains, eh bien, il a l'assurance d'avoir une vie, même s'il passe par la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur l'accompagnera toujours. Ce fut mon cas, ce fut le cas de mon frère, de beaucoup de parmi vous, et je pense qu'ils peuvent rendre témoignage que le Seigneur les a bénis. Amen. Il y a toujours un moment où nous passons par la tribulation, toujours un moment où nous passons par le combat, ça c'est tout à fait naturel, mais si nous désirons, et l'Église réclame la victoire. Alors, c'est une chose que je n'ai pas comprise, alors, c'est si nous voulons la victoire, il faut qu'automatiquement il y ait un combat. Amen. On ne peut pas avoir de victoire sans rien faire. Amen. Et nous sommes heureux parce que le jour du 31 décembre, j'ai moi-même, je me suis excusé d'avoir mis de côté certaines personnes que j'avais à cœur, et pensant servir Dieu de tout mon cœur, j'oubliais que Dieu, dans la jeunesse, quand il vient, c'est pour fonder une famille, pas une église. Vous serez plus ou moins d'accord avec moi, mais je lis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et j'avais un moment, même quelques années, oublié que servir Dieu, c'était déjà servir et aimer mon épouse,
et mes enfants. Et le Seigneur m'a fait voir quand même que je devais, en 2016, mettre aussi mon épouse, car en tant que serviteur de Dieu, elle a été appelée aussi. Amen. Amen. Serviteur de Dieu, sans son épouse, le chemin est plus difficile. Moi, j'avais mis de côté pour y croire, croyant que eh bien, Dieu était avec moi. Il est avec moi, c'est sûr, mais il fallait que je fasse et je mette les choses en règle. Alors, je pense que quand le Seigneur nous dit que nous devons aimer nos épouses, hein, ça ne nous parle pas de sexe. On parle les aimer et les honorer et leur donner la place qu'elles ont droit dans l'Église aussi. Car une femme, une sœur en Christ dans l'Église, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux pour les serviteurs de Dieu aussi. Amen. Si la femme n'a pas le droit à la parole ou à dire la parole de Dieu dans l'Église, mais elle a d'autres droits aussi pour son Seigneur. Amen. Et je pense que parmi vous, eh bien, vous avez compris ces choses. Que le nom du Seigneur vous soit béni. Être un chrétien, ce n'est pas un macho. Être un macho, c'est nous conduire, nous laisser conduire par la parole de Dieu. Amen. Donc, je suis particulièrement heureux, eh bien, dans cette nouvelle année, d'adresser en mon nom personnel, dans ma famille, et au nom de l'Église dont j'ai la charge, de vous souhaiter, eh bien, tout ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre vous dans cette année. Et je pense que lorsque on donne, on présente des vœux, eh bien, cela vient du cœur, et c'est le Seigneur, eh bien, qui met cela en chacun d'entre nous. Je ne vais pas vous dire bonne année, bonne santé, ça c'est le monde qui le dit. L'année, elle sera bonne, elle sera peut-être aussi, eh bien, il y aura peut-être aussi des embûches, mais le Seigneur sera avec nous. Amen. L'occasion. Amen. Et j'ai formulé le vœu le 31 décembre, que j'avais répété un peu et j'aurais dit ce qui s'était passé exactement en 2015. Bien sûr, il y a eu des combats, mais le Seigneur répond. Amen. Amen. Et ces âmes que le Seigneur a amenées dans notre Église, eh bien, cela vient du Seigneur. Je n'ai rien fait par moi-même, ni mes frères, ni mes sœurs, mais c'est juste que le Seigneur nous a employés à cela. Amen. Amen. Et j'ai dit à mon frère Léonard dans la semaine, j'amènerai une nouvelle famille aussi. Alors, Claude et son épouse, si vous pouvez vous lever, juste pour. Voilà, ils sont pour là-bas. Hein. Ils sont venus rejoindre bien notre Seigneur, donc l'Église. Et puis, j'ai. Donc, l'épouse, c'est Nathalie. J'ai le petit enfant qui est là. Mais j'ai mon ami aussi, Anthony, qui est là quelque part aussi. Et la première fois que j'ai été voir mon frère Pascal et Sandrine, je sortais de ma voiture, et ce petit garçon est venu vers moi, et m'a embrassé. Ah, je tiens, même les voisins viennent me faire une bise. Et à chaque fois, vous savez, je suis assez lent à la détente, et jusqu'au jour où le frère Pascal m'a dit, mais c'est mon neveu. Ah, j'ai dit d'accord, j'ai dit, mais et le papa et la maman, ah, ils sont chez eux là-bas. Et le Seigneur a permis qu'ils puissent venir dans l'église. Amen. Et ils sont des gens sérieux, et ce sont nos amis. Amen. Et que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous réellement ce qu'il y a de meilleur pour Amen. Vous et pour les enfants de Dieu. Et nous savons ce qu'il y a de meilleur, c'est dans la parole de Dieu, Amen. Et c'est en Jésus-Christ. Amen. Je pense, sans me tromper, que le frère Léonard, ici présent, eh bien, sait très bien amener ces choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Juste, si vous me permettez, j'aurais aimé lire un psaume. Il n'est pas long. Juste deux passages dans la parole de Dieu. Ce matin, j'avais le Seigneur m'a mis un cœur au psaume 95. Et quand je vous ai entendu chanter, louer le Seigneur, danser, je dis tiens, j'aurais dû choisir une autre exhortation à l'adoration. Je pense que l'adoration est là. Hein. Mais bon. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Chose est faite. Allons au devant de lui avec des louanges. Amen. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Alléluia. Car l'Éternel est un grand Dieu. Alléluia. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez.
Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. J'attire votre attention ici, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba. Vous savez, si vous lisez Hébreux chapitre 3, verset 15, ce sont les mêmes paroles qui sont dites. Si vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 8, ce sont les mêmes paroles qui sont dites aussi. Alléluia. Amen. N'endurcissons pas notre cœur. Amen. Mais plutôt, nous devons nous humilier devant lui. Comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Juste pour finir, dans Apocalypse, par l'honneur, comme chacun d'entre vous, vous connaissez ce passage merveilleux. Apocalypse, chapitre 21. Je pense que c'est pour chacun d'entre nous, ce matin. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous accompagne. Amen. Que Dieu vous accorde ce dont vous désirez le bien le plus précieux. Amen. Amen. Prions juste un instant. Alléluia. Père éternel, ce matin, Seigneur, je veux me joindre, Seigneur, à la prière de mes frères, Seigneur, de mes sœurs, Père éternel, pour te louer en esprit et en vérité, Seigneur, Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin, Seigneur, devant le Saint-Temple, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, n'oubliant aucun de tes bienfaits, Père éternel. Ô Dieu tout-puissant, accorde à chacun d'entre nous ce matin la patience, Seigneur Jésus. Donne de la tempérance, Seigneur Jésus. Ô donne, Seigneur Jésus, toutes ces choses qui font partie, Seigneur, de tes vertus, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, que l'amour soit en chacun d'entre nous, dans nos cœurs, Seigneur, sur nos lèvres, Seigneur, dans notre esprit, Père éternel. Que cette année nouvelle, Seigneur, soit une année, Seigneur, remplie d'amour, Seigneur, les uns envers les autres, Seigneur. Que jamais, Seigneur, nous nous oublions, Seigneur Jésus, mais que nous soyons toujours unis en Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Seigneur, soit avec chacun. Amen. Amen. Nous remercions les Seigneurs. Amen. Nous sommes heureux, nous sommes pour entendre la parole de notre Dieu. Amen.
Que Dieu bénisse richement son serviteur. Nous souhaitons aussi la riche bénédiction du Seigneur dans son ministère et que cette année, Seigneur, bénisse vraiment aussi sa famille. Qu'il puisse vraiment lui donner ce que son cœur désire et qu'il soit dans la joie de pouvoir le servir. Nous sommes heureux lorsque nous pouvons aussi nous rassembler avec tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près. C'est vraiment très touchant de pouvoir voir cela. Nous allons pouvoir traverser aussi des villes et traverser aussi des cités aussi pour pouvoir arriver à pouvoir se retrouver en un seul lieu pour que ensemble nous ayons donc la communion. C'est là la grâce que Dieu nous accorde, montrant effectivement qu'il nous a donné aussi des frères et des sœurs. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour votre présence. C'est aussi une consolation pour nous tous. Nous voulons entrer dans cette année-ci avec vraiment beaucoup de reconnaissance par notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous tout au long de l'année passée. Et comme nous l'avons prié aussi, je pense, dans la nuit du 31 au 1er, nous avons dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas aller. Non. Nous voulons que cette année, vraiment, que le Seigneur marche encore plus avec nous. Amen. Parce que s'il n'est pas avec nous, à quoi servira cette année? C'est vrai que les gens du monde peuvent compter sur leur travail, autre chose. Nous, ce n'est pas l'argent, le travail ou les biens sur qui nous pouvons compter. Nous comptons sur l'Éternel. Amen. S'il n'est pas avec nous cette année-ci, alors qu'il nous prête. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur soit avec nous. Amen. Et parce que s'il est avec nous, alors c'est sûr et certain, alors nous sommes rassurés que nous ferons des exploits. Amen. Et comme il est un refuge, aussi une forteresse, un soutien, alors nous avons l'assurance de pouvoir entrer avec victoire dans l'année dans laquelle nous entrons. Amen. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous dépendons réellement totalement de lui. Il est notre source de vie. Il est vraiment l'auteur de ce que nous sommes, effectivement. Alors, si il n'est pas là, alors rien ne pourra, et nous aussi, avoir de l'importance pour tout un chacun de nous. Dans ces moments, le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir le connaître, afin de pouvoir marcher avec lui. Et nous réalisons aussi que sur cette terre où nous sommes, les choses sont telles que le Seigneur a eu à pouvoir mettre chaque chose réellement selon les plans et les programmes qu'il a aussi établis. Et chaque jour et chaque année qui passe effectivement, doit aussi nous rendre conscients de choses que nous, cela aussi nous montre que nous nous rapprochons certainement de sa venue. Les années passent, mais ne se ressemblent pas. Parce que chaque année qui vient, effectivement, aussi apporte aussi des choses que nous ne connaissons pas, qui sont réellement passées, parce que, et il a dit dans l'Écriture que notre frère a dit que je suis l'alpha et le oméga, le commencement et la fin. Commence et clôture. Et tout ce qui est autour, il contrôle. Amen. Il y a avant toute chose. Et après toute chose, effectivement, rien n'a existé avant lui. Donc c'est lui qui contrôle, en fait. Donc, les événements qui vont donc se dérouler dans l'année dans laquelle nous entrons, Dieu, notre Seigneur, les connaît déjà. Amen. Mais nous, nous ne le connaissons pas. Et quelle grâce de pouvoir savoir que nous avons un Dieu qui connaît déjà les choses qui vont se passer. Alors nous sommes dans l'assurance. Amen. Parce que souvenez-vous, effectivement, quand il a fait sortir les enfants d'Israël et qu'il marchait, il ne connaissait pas le chemin de ces enfants d'Israël. Ils ne savaient pas tellement très bien où ils allaient. Mais ils avaient la grâce de pouvoir savoir, avoir, c'est Jésus, c'est Dieu, effectivement, qui connaissait le chemin. Amen. C'est comme ça qu'il leur montrait le chemin avec lui qui marchait, en fait, devant Dieu sous la forme de la colonne de nuit et la journée. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, et ils ne savaient pas qu'ils allaient passer par là, mais Dieu savait qu'ils passeraient par là. Et comme ils savaient, il avait été pourvu, effectivement. C'est pourquoi, dans l'année où nous entrons, certainement, même si les épreuves viennent, Dieu sait. Amen. Et si Dieu est avec nous, certainement, tout au long de cette année-ci, alors nous ne sommes que plus qu'en sécurité. Amen. Peu importe ce qui peut arriver, comme mon précieux frère l'a chanté tout à l'heure, peu importe ce qui peut arriver, si l'Éternel est dans le camp, alors nous sommes rassurés. L'Éternel est dans le camp. S'il est dans le camp, nous avons la victoire. C'est comme le cœur, le but, dit, bon, ben, est-ce qu'on va rester encore longtemps? Vous savez,
Avec le Seigneur, notre Dieu, nous devons entrer, comme nous entrons maintenant, à pouvoir apprendre à lui donner la possibilité d'agir avec nous comme il le veut. Amen. Un fils de Dieu doit se soumettre à Dieu à 100%. Nous avons trop eu à pouvoir réellement prendre le contrôle de nous-mêmes du temps comme nous le voulons, effectivement, tout au long de ces années que nous avons passées jusqu'à notre grâce. C'est nous-mêmes qui disons je veux. Il faut qu'on s'attende au nom du Seigneur, maintenant je ne veux plus. Je veux que ce que tu veux, prends contrôle, agis avec moi et fais ce que tu as envie de pouvoir faire. Conduis-moi dans tous les lieux que tu veux. En fait, c'est ça, en fait, un croyant, un fils de Dieu, il arrive à un moment donné, mais je m'abandonne. Amen. Parce que l'Écriture dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Il faut qu'à un certain moment, on se pose la question quand même, est-ce que vraiment je me laisse conduire par le Seigneur ou bien je continue à pouvoir dicter à Dieu sa façon de faire pour moi. Voilà, Seigneur, ce que je veux que tu fasses. C'est comme cela. Voilà, par exemple, quand je veux que les choses soient comme cela. Non, Seigneur, je ne veux pas que les choses soient comme ça. Mais je veux que les choses soient comme toi, tu veux. Amen. Je ne peux pas, moi, t'enseigner. Je veux que toi, tu m'enseignes. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Nous nous humilions pour que tu puisses arriver à pouvoir prendre le trône. Et c'est cela que je crois qu'il est important aussi que nous prenions comme résolution à pouvoir nous donner davantage au Seigneur et c'est surtout lui donner la possibilité de pouvoir prendre le contrôle de chacun de nous et d'agir. Donc, vous savez, quand je parlais tout à l'heure du temps, j'ai dit, nous avons un problème, nous les hommes, parce que nous limitons Dieu. Si nous regardons dans les Saintes Écritures, Josué a pu arrêter le soleil. Amen. Et quand on arrête le soleil, c'est le temps aussi qu'on arrête. Mais si le Seigneur dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qu'il a fait avec Josué, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, le grand problème que nous avons, c'est l'incrédulité. Nous disons que nous sommes des croyants, mais en fait, nous croyons Dieu jusqu'à une certaine limite. Et les autres, ça ne s'apparaît pas possible. Oui, Josué s'est tenu, il n'a pas pensé comme nous pensons. Il a dit, mais si Dieu est avec nous, comme nous l'avons chanté, mais le soleil est sous le contrôle de Dieu. Donc, ai-je besoin du temps? Soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Amen. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, et demain. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de le faire encore aujourd'hui? C'est sûr et certain que Dieu le fait. Il est capable de pouvoir aussi le faire. Il faut que nous entrions effectivement avec des bonnes dispositions dans les choses qui concernent Dieu. Revenons pour prendre le livre des Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Maître béni, je te remercie. Ce matin, je te loue encore de tout mon cœur pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous tenir en ces lieux avec tous nos bénis, mes frères et sœurs qui sont venus en cet endroit, Père, pour que nous puissions avoir la communion autour de ta parole. Nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment te servir et t'aimer encore beaucoup plus que l'année passée. Que nos cœurs et nos âmes, ô Jésus-Christ, mon roi, tu feras encore des grandes choses, mon Maître. Aide-nous, Père, à ce que simplement nous puissions nous abandonner à toi. Merci encore pour cette parole. Lire, Père Saint, inspire et conduis, éclaire encore, Père, et agis encore ce matin. Je te suis prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, voilà comment cet homme de Dieu s'adresse au peuple de Dieu. En fait, lorsque nous lisons le livre des Éphésiens, nous devons comprendre à qui, effectivement, le Seigneur, par son serviteur, l'apôtre Paul, s'adresse. Nous devons
être conscient. Et ce matin, je voudrais que chacun de nous puisse vraiment s'éteindre dans la présence du Seigneur avec un cœur ouvert, avec vraiment de bonnes dispositions pour que le Seigneur fasse vraiment quelque chose pour lui aujourd'hui. Et quand nous prenons dans le livre des Éphésiens, que nous puissions comprendre effectivement et à qui effectivement cela a été donc adressé, de manière à ce que nous puissions vraiment aussi prêter aussi attention. Regardez bien, chapitre 1 des Éphésiens, l'Écriture nous fait savoir que celui qui a donc été conduit à pouvoir exprimer ses paroles, l'écrire, mettre par écrit, c'est bien l'apôtre Paul. Il nous dit ici, Éphésiens 1, verset 1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » Donc il nous montre déjà lui-même sa position, en réalité, ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait de lui, et pas ce que l'homme a eu à pouvoir faire de lui. Il dit « Je suis apôtre du Seigneur Jésus-Christ, effectivement, par la volonté de Dieu. » Il dit « Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Ce n'est pas au soi-disant, ce n'est pas au ceux que, bon, probablement je pense que Dieu, non, c'est à ceux-là. Quand on dit un saint, c'est quelqu'un qui a ouvert son cœur au Seigneur et qui l'a reçu et qui a donné la possibilité au Seigneur Jésus de pouvoir réellement prendre possession de lui et de travailler. Parce que, après donc la foi que je reçois le Seigneur, qu'on dit la justification, vient donc la sanctification. Donc c'est là que le travail commence effectivement, où le Seigneur commence à travailler dans la personne. Donc la sanctification, ça veut dire que le nettoyage effectivement de la personne à l'intérieur. Et comment est-ce que le Seigneur fait ce travail? Il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc la parole prêchée selon l'Esprit de Dieu, et qui demeure effectivement sur le fondement véritable, c'est un travail qui a la puissance de pouvoir agir et travailler dans le cœur des hommes et des femmes, effectivement, que le Seigneur lui-même s'est acquis. Donc, le Seigneur ne travaille pas dans tout le monde, il travaille dans ceux-là qu'il a rachetés. Pourquoi? Parce que s'il t'a racheté, c'est pour te ramener dans ta condition originale. Amen. Donc, il doit travailler en toi, pour réellement te montrer que voilà, parce que dans ta condition originale, c'est comme ça que tu étais. Il enlève ce qui n'est pas bon, effectivement. Et cela, par la sanctification, parce que au commencement, les choses n'étaient pas ici. C'était Dieu et Adam étaient là en communion avec Dieu. Vous le savez tous, effectivement. Adam était en communion avec Dieu. Adam parlait, effectivement, avec Dieu. Et cet homme était créé à l'image de Dieu. Donc, le Seigneur avait pris le plaisir de pouvoir parler avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le péché qui est entré, effectivement, la communion a été coupée. Donc, le Seigneur veut nous ramener donc dans cette condition, effectivement, où l'homme, vous voyez très bien, où l'homme ne connaissait pas le péché. Hein. L'homme avait simplement des pensées tout à fait pures et son cœur était continuellement donné à Dieu, effectivement. Et c'est cela, parce que quand on peut voir comment était Adam, la Bible nous fait savoir qu'il était dans ces lieux que Dieu lui avait donc placés. Il pouvait arriver à pouvoir dire à cet arbre, déracine-toi, va là-bas, effectivement. Et cela s'est fait parce que le Seigneur l'avait crié pour qu'il puisse dominer sur toutes choses. Donc la communion était parfaite entre lui et Dieu, effectivement, et le Seigneur trouvait plaisir à cela. Mais c'est plus tard. Mais non, nous regardons effectivement que lorsque le Seigneur, comme il a dit ici, aux saints, et puis il dit aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, ces hommes et les femmes, effectivement, qui ont eu à pouvoir donner leur cœur au Seigneur, ils se sont donc approchés, d'abord ils ont donné le cœur pour que le Seigneur en dispose maintenant comme il le veut. Quand je donne mon cœur au Seigneur, je n'en reste plus le maître moi-même. Ce qui veut dire qu'effectivement, que si je donne, écoutez bien frère et soeur, si je donne mon cœur au Seigneur, et qu'en même temps je reste maître de mon cœur, il y a quelque chose que vous devez savoir, dans lequel vous vous trouverez, c'est quoi? Mais c'est la condition qui se trouve là où il est. Il est, d'un côté, il est froid, de l'autre côté, il est bouillant. Et quand on mélange les deux, effectivement, ça veut dire quoi? C'est tiède. Donc, là où il est vraiment tiède. Il dit, puis-je être bouillant,
ou foi, mais parce que tu as les deux mélangés. Donc, effectivement, tu es tienne. Si ton cœur est partagé, ça veut dire que, le Seigneur l'a dit aussi, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Mais il y a quand même un que tu vas détester. Donc, il faut que réellement que le cœur, ou soit tu donnes le cœur tout entier à Dieu, ou soit tu ne le donnes pas. Mais Dieu n'aime pas être partagé entre les deux. Et c'est pour ça, comme il a dit dans les Saintes Écritures, il dit, mais si tu es donc tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc, que nous puissions réellement être conscients de ce que nous allons donner au Seigneur cette année, en fait. Que chacun de nous puisse être aussi conscient de la décision et de notre départ, vous dites, Seigneur, aussi les années avancent. Je me regarde aussi, je ne sais pas combien de temps je reste encore sur la terre, mais je dois être ferme dans la décision que je prends pour moi, avec toi, effectivement, dans la terre. Alors il dit, aux fidèles, effectivement, enfin, ce sont ceux-là qui, de tout leur cœur, effectivement, ont eu à pouvoir réaliser l'importance de s'abandonner au Seigneur pour que, maintenant, comme ils ont eu aussi à pouvoir savoir que le Seigneur a dit, mais vos voix ne sont pas mes voix. Parce que telle voix paraît droite à l'homme. Mais ça, celui-ci, c'est la mort. Moi et vous, nous ne connaissons pas ce qui va se passer demain. Et nous faisons nos choix comme ça. Mais en fait, Dieu connaît ce qui va se passer demain. C'est pourquoi un enfant vrai, qui est un fils de Dieu, qui est une fille de Dieu, ne peut pas prendre des décisions sans d'abord consulter Dieu. Amen. Dieu a dit des David, il dit, mais David, c'est un homme selon mon cœur. Et David ne prenait pas les décisions sans d'abord consulter Dieu. C'est pas qu'il se sentait obligé, non. Il avait réalisé effectivement l'importance de ces dieux. Sans lui dire, mais je sers ta parole dans mon cœur. Il dit, comment les jeunes hommes rendra-t-il tous au sentier en se dirigeant d'après ta parole? Il dit, mais tes préceptes sont mes conseillers, je suis plus... Vous connaissez cela, effectivement. Donc, ces jeunes hommes, effectivement, ont pu comprendre, effectivement, l'importance de pouvoir avoir Dieu comme conseiller. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses avec des aventures. Non, il dit, mais là, je sais que si Dieu est avec moi, alors c'est sûr et certain que je veux réussir. Alors, donc, on dit, effectivement, que cet homme s'adresse, effectivement, à cette personne qui ont eu à pouvoir croire, qui ont reçu le Seigneur. Parce que vous savez, vous pouvez fréquenter l'église simplement parce que vous voulez être membre d'une église. Mais le fait d'être membre d'une église pendant des années, ça ne vous sauve pas. Amen. Vous pouvez être un fidèle membre d'une église depuis toutes les réunions où vous ne manquez pas, et à la fin, Dieu vous rejetterait. Parce que aucune église, aucune religion sur la terre ne peut sauver un homme. Le salut n'est pas quelque chose que l'Église te donne. Non, le salut est une personne. Amen. Donc, une personne. Et cette personne, c'est comme quand Simon a dit, mais mes yeux ont vu ton salut. Donc, il était l'enfant dans sa main. Et le salut n'est pas une illusion, mais c'est une personne. Amen. Et si c'est une personne, pour que tu le reçoives, ce salut, il faut que la personne vienne et qu'il entre. Amen. Jésus-Christ n'est pas une illusion, c'est une réalité, une personne. Donc, si vraiment le salut est en toi, il va réellement entrer en toi. Et s'il rentre en toi, eh bien, dis donc, c'est comme ça chez... Amen. Quand il est entré dans la maison des Zachée. Amen. Ah oui, vous connaissez Zachée, non? Tout a été changé pour Zachée. L'homme dit, je vais donner mes biens aux pauvres. Je vais distribuer des roses à Zachée. C'est parce que le salut est entré dans ta maison. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, nous devons être contents. Non, c'est à cela. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, dans le chapitre 4, le verset 1, nous avons lu, Ephésiens, donc pardon, oui, je vais faire ça. Alors, il dit donc, vous qui êtes saints, donc saints, parce que vous avez été sanctifiés, purifiés, lavés de son sang, effectivement, et maintenant sanctifiés par sa vérité, et vous êtes de ceux-là qui avaient l'amour de la vérité, vous connaissez, non? Parce que on peut être aussi dans une église, et on peut aussi entendre la parole de Dieu être prêchée, mais comme ça ne correspond pas à ce que toi tu as envie, par exemple, alors c'est toujours un combat. Quand le pasteur prêche, ou quand le temps file, maintenant on devient colérique.
On commence à voir, mais quand même, c'est pas normal, hein, ça dure tellement si longtemps, hein, c'est pas quand même normal, j'ai beaucoup de choses à pouvoir faire. Mais en fait, tu n'as pas réalisé que là, tu es dans la maison du Seigneur, tu te dis chez toi, je quitte chez moi pour aller dans la maison du Seigneur. Alors quand tu quittes chez toi pour venir dans la maison du Seigneur, tu laisses tout ce qui est chez toi à l'extérieur. Amen. Et là, tu te tiens, parce que frère, ça... Le problème que nous avons vraiment taillé Dieu à notre façon. Nous voulons donner à Dieu notre rythme à nous. Mais c'est malheureux. Tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux. Seigneur, je viens, je me tiens là. Alors maintenant, je surveille. Quand je vois que tu commences à aller un peu plus loin, je dis, non là, vraiment, ça ne va pas du tout. Or, ce que nous devons savoir est ceci. Quand nous commençons avec Dieu, ce que Dieu cherche, c'est de pouvoir te posséder toi. Amen. Nous ne savons pas, nous devons commencer maintenant. Et le Saint-Esprit descend et te remplit, mon frère. C'est le plus bon des pasteurs, mais c'est toi qui vas vouloir qu'Arino continue. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose en toi. Donc on doit toujours s'attendre à ce que Dieu... Quand je viens dans la maison du Seigneur, je n'ai plus de programme dans ma tête. Non, mon frère. Ça, frères et sœurs, vous devez apprendre cela. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, mon temps n'est plus mon temps, c'est ton temps à toi. Amen. Je veux te donner ton temps à toi, que tu agisses avec moi comme tu le veux. Amen. Si, par exemple, maintenant tu viens, tu dis, voilà, je veux que maintenant que personne ne sorte, on va avoir une veillée jusque demain matin, Seigneur, nous resterons. Amen. Même si au travail, les situations vont être compliquées, tu toucheras les cœurs du patron. Amen. Mais le plus important, c'est quoi? C'est ce que toi, tu veux. Amen. Quand un homme arrive à ce stade-là, Dieu va réellement agir puissamment. Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'il faut que Dieu soit le maître. Amen. Pas moi, mais Dieu doit être le maître de pouvoir émaner. Mais en tout cas, avant il était comme ça, maintenant il agit maintenant comme moi je le veux parce qu'il me laisse l'occasion d'agir. Amen. Nous voulons laisser Dieu. Alors il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est lié. Paul, il s'est dit lui-même prisonnier parce que il voulait être prisonnier, être esclave de Jésus-Christ. Il dit que je le veux, moi, Seigneur, je ne veux pas que tu me laisses faire ce que j'ai envie de faire. Amen. Par contre, moi, la grâce d'être ton prisonnier. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui est libre, il dit, mais je veux être ton prisonnier. C'est-à-dire qu'il veut être prisonnier de l'amour de Dieu, de la prisonnier de l'obéissance à Dieu. Il dit, mais Seigneur, je veux être à toi comme ça pour que tu fasses de moi ce que tu veux. Qui peut ce matin, mon frère et ma soeur, étant ainsi là, dire, Seigneur, je veux vraiment être ton prisonnier à toi. Donc, prisonnier, c'est que toi, tu es un prisonnier, ne dis pas au bourreau ce qu'il est bourreau d'affaires. Hein. Donc, c'est le monsieur, en fait, c'est lui qui est en prisonnier, qui dit, tu vas faire ça, amen, tu vas faire ça. Le prisonnier n'a rien à dire. Donc, il est là, en tant que prisonnier, il simplement, il écoute ce qu'on lui dit, et il obéit. Et c'est ça, ce que Paul dit, il dit, moi, donc, prisonnier, dans le Seigneur, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, c'est-à-dire, effectivement, l'appel qui vous a été adressé. Que ce soit frère, que ce soit sœur, effectivement, chacun de nous, nous avons reçu un appel. Et cet appel, effectivement, en rapport avec Éphésiens ici, il s'agit de, comme l'Écriture le dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Dans Jean chapitre 10, la Bible dit que le Seigneur dit, mais que mes brebis entendent ma voix. Je les appelle tous par leur nom, effectivement, je les fais sortir et ils me suivent. Donc, effectivement, comme il a dit ici, digne de la vocation qui vous a été adressée, si le Seigneur t'a appelé, toi, mon frère, t'a appelé, toi, ma soeur, parce qu'il s'agit de saints et de fidèles, en Jésus-Christ. Alors, on doit se poser la question à savoir, mais pourquoi est-ce que le Seigneur m'a appelé? Quel est le but pour lequel, dans le monde dans lequel moi je me trouvais, je vivais ma vie à moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'effectivement, qu'aujourd'hui, je puisse arriver à pouvoir me retrouver dans un endroit où on parle de Dieu? Et qu'effectivement aussi, que j'ai réalisé qu'effectivement, que Dieu était important pour moi. Alors, pourquoi m'a-t-il fait sortir du monde? Pour quelle raison? Et je crois que chacun de vous, et nous tous qui sommes ici, nous avons conscience, effectivement, que dans ces temps, nous connaissons la parole de Dieu et nous savons que les saintes écritures nous font savoir que Dieu a jeté le regard parmi les nations
pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Amen. Et nous savons qu'effectivement qu'il s'agit effectivement d'un peuple particulier, que le Seigneur lui-même est venu donc chercher. Pourquoi est-il venu chercher ce peuple, effectivement, comme les Saintes Écritures le disent? C'est là qu'on doit comprendre, effectivement, la vocation qui doit être adressée. C'est pourquoi Dieu est venu chercher. Pour quelle raison? Qu'est-ce que Dieu est venu faire? Alors maintenant, regardez, quand il parle effectivement ainsi, c'est à ces personnes qui ont eu cette grâce de pouvoir réaliser que Dieu les a fait sortir d'un état pour les faire passer dans un autre état. Donc, je n'ai pas accepté le Seigneur pour former des groupes quelconques. Dieu m'a appelé effectivement parce que d'abord il s'agit de mon salut et qu'effectivement il y a bien un objectif pour lequel il m'a appelé moi. Pardon, parce que quand Abraham était dans sa contrée, effectivement, il avait son père, il avait aussi effectivement sa famille, effectivement aussi tout ce qui était là. Mais quand le Seigneur est venu, il n'a pas appelé le papa, il n'a pas appelé la maman, mais il a appelé qui? Qui l'a appelé? Abraham. Donc, quand Abraham a été appelé, et on a écouté la voix de Dieu, il a appelé, Abraham a compris pourquoi Dieu l'a appelé. Il lui a dit, mais écoutez bien, je crois que c'est dans le livre de la Genèse, je pense, Genèse au chapitre 1. Oui, je pense. Chapitre 11, je suppose que c'est ça. Genèse chapitre 12. Verset 1 dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham, quand il est sorti, quand il a entendu l'appel, Dieu lui a fait comprendre pourquoi il a appelé. Ce n'était pas son père, ce n'était pas sa mère, mais lui. Donc il faut aussi que tu sois conscient de ce que Dieu t'a appelé et que tu comprennes aussi pourquoi Dieu t'a appelé. Il ne faut pas être dans la masse en disant, ah oui, nous sommes dans l'épouse, effectivement. Non, mon frère. Non, ma soeur. Toi, tu dois être conscient que Dieu t'a appelé parce que tu es. Pas parce que je me retrouve avec qui que ce soit, mais parce que tu es. Qui es-tu, toi? Parce qu'Abraham ne va pas penser que je suis Lot. Non. Et puis même quand Lot a marché, Abraham va penser que moi je suis Abraham. Non. Parce que Dieu avait montré toujours que Abraham était Abraham, Lot était Lot. Il n'a pas dit, cacherai-je à Lot ce que je vais faire? Non. Il dit, cacherai-je à Abraham? Donc toujours Abraham, toujours Abraham. Donc même si c'est un rassemblement des hommes, toi tu dois savoir qui est-ce que tu es et qu'est-ce que Dieu t'a dit. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de flou. Nous avons le flou, oui, mais je pense qu'on va... En tout cas, mon frère et ma soeur, l'appel de Dieu n'est pas un appel de flou. C'est toujours clair. Quand il t'appelle toi, il t'appelle par ton nom à toi. Parce que les choses de Dieu sont des choses très sérieuses. Amen. L'apôtre Paul il dit, je cours non pas comme battant l'air. Amen. Toi non plus, il dit, moi, je ne peux pas être là à prendre la désinvolture, on va. Il dit, non. Il y a quelque chose parce que le jour où moi je vais partir, mais j'ai toujours dit, le cercueil, vous n'entrez pas avec l'assemblée tout entière. Non. Pas avec les frères et sœurs seuls dans le cercueil. Tous ceux qui ont été avec vous, ils vont vous emmener au cimetière, ils vont pleurer, ils vont mettre des bouts de fleurs là-dedans, effectivement, mais après ils rentrent à la maison. Ils continuent leur vie, et toi, tu restes là. Mais fais bien ça. Ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de très important dont on doit être conscient. Allez, mais donc, il parle effectivement de marcher digne de la vocation qui vous a été adressée. La manière effectivement que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit effectivement ce qu'il attendait de lui, effectivement. Et Abraham s'est conformé à ses dieux et il a compris qu'il fallait qu'il s'attache à ses dieux.
Parce que c'est lui qui peut faire en sorte que ce que lui, il lui a dit, puisse arriver, c'est bien lui. Parce qu'il dit, mais je te bénirai, parce que s'il est en dehors de ses dieux, il n'y aura pas de bénédiction. Tu m'as appelé pour la bénédiction, tu m'as appelé pour que je sois perdu de multitude, effectivement. C'est pourquoi quand Dieu lui est venu vers lui, effectivement, puis Abraham lui dit, mais Seigneur, tu as dit que tu me béniras. Mais voici, ma femme, Sarah, est terrible. Et moi, je suis à mon ancien âge aussi, et puis il n'y a qu'un Eliezer dans ma maison qui va hériter. Vous vous souvenez, non? Amen. Le Seigneur lui dit, oh, Abraham vient. Abraham vient, Abraham s'approche. Il lève les yeux vers le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Il a levé les yeux, effectivement. Le ciel était rempli d'étoiles. Il dit, Abraham, telle sera ta postérité. Amen. Et l'homme a eu confiance en celui, mais puisque tu l'as dit alors, amen, je m'y accroche à toi. Amen. Mon frère, quand Dieu réellement t'appelle, toi, il te donne aussi les dons de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu et être un incrédule. Que la parole est prêchée, tu es en train de te secouer. C'est pas normal, mon frère. Dieu t'a appelé, t'a donné la foi pour aimer, croire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Non, un fils de Dieu ne perd plus du temps pour autre chose, mon frère. Parce que comme Abraham, il avait les yeux. Vous vous rendez compte, frère et soeur, qu'un homme qui était âgé, et puis sa femme stérile, le Seigneur lui dit, lève les yeux vers le ciel. Il lève les yeux vers le ciel, on lui compte les étoiles. Nous sommes tous des êtres humains ici. Tu sais que ta femme est stérile, n'enfante pas. Et puis on lui dit, lève les yeux vers le ciel, compte les étoiles. Tu regardes les étoiles, tu dis, oh, ils sont tellement nombreux. Comme ces étoiles, non? Ah, oui. Le ciel est rempli d'étoiles. Amen. Et puis tu entends Dieu qui te dit, toi, homme, avec une femme là, telle serait ta postérité. Tu vas croire, toi? Vous direz, oui, frère, parce que vous l'avez vu. Parce que vous avez dit qu'Abraham l'a fait. Mais prenez l'exemple que vous seul, vous la frère, on vous met là quelque part. C'est comme quand le médecin vient vous dire, madame, c'est terminé, monsieur, c'est terminé, effectivement. Est-ce que vous avez la foi? Mais Seigneur, même si l'homme dit que c'est terminé, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, mettez-vous à la place d'Abraham. Abraham était dans une situation problématiquement difficile parce que, d'abord, un, il était bien avec son père et sa mère, tout a passé très bien, mais il entend la voix. Et c'est Dieu qui lui dit, quitte ton père et ta mère et ta patrie. On n'a jamais entendu voir que. On n'a jamais entendu que Abraham a commencé à gesticuler, à discuter. Je vais aller vivre où? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais manger? Et si on mangeait les champs, tout ça, j'ai les gens à gauche et à droite, comment je vais faire? Parce que, observez-vous, hein, quand la parole de Dieu vient vers vous, en fait, comment vous réagissez? Parce que, vous savez, on ne pourra jamais dire, oh Seigneur, si c'était Dieu, on ne savait pas. Dieu a eu à pouvoir placer des hommes dans les saintes écritures pour qu'au jour du jugement, tu n'aies rien à dire. Amen. Mais c'est la vérité, frère et soeur. Amen. Le problème, c'est que nous jouons trop avec Dieu, nous le prenons comme si notre copain, notre gamin, ils sont dit, ah, il va dire, non, mon frère. Dieu doit être respecté dans les conditions Alléluia. Comme le Saint Écriture le dit. Il ne nous doit rien. C'est nous qui devons à Dieu. C'est sûr et certain, frère. Nous devons être cela pour prier Dieu avec supplication. Seigneur, aie pitié, parce qu'il a fait pour nous ce que toi tu ne peux pas faire pour nous. N'est pas dans un bâtiment. Je vais aller quand même. Et puis, frère, ça donne à pleurer. Vous vous donnez tellement d'important, comme c'était tellement si important. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Amen. Si ce n'était pas la grâce de Dieu aujourd'hui, amen, tu ne vas même pas respirer. Là. Amen. 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 Alors, il lui dit, compte les étoiles. L'homme naturel comme vous et moi, il lève les yeux, le ciel est rempli d'étoiles. Dieu lui dit, Abraham, telle sera ta postérité. Vous savez que la Bible dit que le Seigneur sonde les reins et les cœurs. Il connaît la sincérité de toi. Quand tu es vrai, il le sait. Quand tu es aussi faux, il le sait. Tu peux me cacher ça, mais Dieu non.
Impossible. Alors, Dieu a regardé Abraham pour voir comment Abraham allait réagir. Quand Abraham a regardé, parce que Dieu regardait comment le cœur d'Abraham va réagir à ce que je viens de lui dire. Tu es un homme, et puis tu sais que ta femme est stérile. Tu as vu les étoiles, oui. Il dit, ce sera par l'île, telle sera ta postérité à toi. Est-ce que tu vas croire ce que j'ai dit, Abraham? Un homme comme vous et moi, mon frère, conçu avec l'intelligence de l'homme qui réfléchit. Cet homme-là, quelque chose s'est passé. Il a pu réaliser à son naturel. Il a fait confiance à ces dieux-là. Il dit, mais plus que toi, tu le dis. Eh bien, moi, je le crois. Amen. Quand Abraham eut confiance en lui, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Donc, il a placé sa confiance dans ses dieux. Il dit, mais toi, tu es vrai, puisque tu l'es dit que ce sera ainsi. Alors, je le crois. La Bible dit qu'Abraham, et quand Dieu a vu, effectivement, c'est qu'Abraham a eu à pouvoir dire dans son cœur, son âme, ce qu'il a cru sincèrement, 100%. Pas un peu à demi, hein, mais 100% ce que Dieu venait de pouvoir lui montrer. Donc, quand il a regardé, il dit, c'est vrai. Moi, Abraham, j'aurai une postérité comme les étoiles du ciel. Parce que ce n'est pas à Dieu de croire pour toi, à ta place. Non, mon frère, c'est à toi de croire la parole de Dieu. Donc il te présente effectivement. Et c'est comme ça que, effectivement, Abraham a eu à pouvoir croire. Et il est sorti donc. Sans que tu le dises. Il a continué à marcher avec Dieu. Et Dieu l'observait dans tout ce qu'il lui disait. Comment Abraham réagissait. Alors, dans le livre d'Éphésiens, on a dit, mais donc il faut marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quel est donc cet appel que Dieu vous adresse et qui vous a adressé aussi dans ce temps dans lequel nous nous trouvons? Qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir te montrer? Toi, tu as eu à pouvoir être touché, être aussi convaincu, réaliser que, ah, Seigneur, ça c'est ta voix à toi. Qu'est-ce qui t'a montré? De quelle manière nous devons réellement aussi marcher? S'il nous a appelés, nous montrer effectivement le but, il doit aussi donner aussi la parole en fonction avec lui, pour que nous puissions que là où nous ne savons pas comment faire, parce que nous ne savons pas servir Dieu, nous ne savons pas louer Dieu, nous ne savons rien faire. Amen. Et c'était aussi la même chose avec Abraham, avec Israël. Israël ne savait pas servir Dieu. Israël ne savait pas comment louer Dieu. Regardez, c'est Dieu lui-même de A à Z qui a montré effectivement au peuple comment il doit être loué, comment il doit être exalté. C'est pourquoi nous n'avons pas, nous, à dire à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Vous savez, dans le psaume 139, je crois que c'est 139, il dit que la parole n'est pas encore sous ma langue. Que toi, Éternel, tu la connais entièrement. Oh, Éternel. On va le lire, je vous dis, c'est 139 ou 142, psaume 139 ou 139. Mais c'est pas très précis. Si c'est pas 139, c'est 139. Mais bon, on trouve. C'est 139, il dit, verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Toi, tu pénètres de loin ma pensée. Vous savez, la pensée est la chose que quelqu'un possède et quelqu'un d'autre ne le sait pas. Satan ne peut pas connaître votre pensée. Ça, c'est impossible. Parce que c'est la vôtre, il est en vous. Vous ne l'avez pas exprimé.
moins que vous la fassiez exprimer par les gestes. Mais quand elle est en vous, personne ne la connaît. Et là, il dit, tu pénètres de loin ma pensée. Il faut que nous sachions à qui nous avons affaire. Quand je vois des gens qui viennent, parce que c'est comme si on doit les supplier à croire en Dieu, comme si on doit les... C'est comme si... Et pourtant, si c'était bon, monsieur ou madame vont donner un contrat de travail, ils ont beaucoup plus de respect pour cela, pour le patron. Et quand on arrive à part aux choses de Dieu dans une assemblée, ils sont un peu là, méprisants. Comme ça. C'est comme si ils étaient plus importants que Dieu lui-même. Et puis, c'est comme si les pasteurs, etc. Ah, il faut venir, il faut un pasteur qui supplie les âmes à venir dans son assemblée, c'est pas un bon pasteur. Amen. Jamais. On prie pour que Dieu accorde la grâce que les âmes viennent, Amen. Mais pas les supplier. Amen. On ne peut pas supplier quelqu'un pour accepter Jésus. Non. Amen. On doit montrer à quelqu'un la voie. Amen. Il dit, ça, tu prends ceci, tu vis. Amen. Si tu ne prends pas, eh bien tu meurs. Il dit, choisis la vie, soit ceci, ça c'est la mort, ça c'est la vie, fais ton choix. Mais on le fait avec beaucoup d'amour, douceur. Mais on ne peut pas arriver à supplier, ah il faut quand même que tu viennes, tu comprends, et puis viens, tu vois, si tu ne viens pas, mais ça c'est, mais quelqu'un comme ça, il doit peut-être aller passer par ses portes. Au monastère, j'en sais absolument rien. Mais en ce qui concerne Dieu, il faut que l'homme soit conscient. Mais c'est pour ça qu'il baptise des bébés. Les bébés, pourquoi t'as baptisé un bébé? Il n'est même pas conscient. Mais dans le show de Dieu, on ne peut pas baptiser des bébés. Mmh. Et parce que vous savez pourquoi ils font cela? Pour que déjà, dès son enfance, il devienne membre de votre église. Mmh. Vous vous rendez compte? Mmh. Il faut que la personne soit consciente. Ça, je veux, ça, je ne veux pas. Mmh. C'est à l'homme d'être conscient de faire son choix. Et alors, quand le Seigneur Jésus n'est pas, je ne sais pas, un Seigneur qui manque des âmes pour l'adorer, pour dire, j'ai été supplié, acceptez-le. Non, pas du tout. Mmh. Il aura toujours des âmes pour le croire. Amen. Oui, simplement prêchons la parole de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, ils vont entendre. Amen. Et ils viendront, frères et sœurs. Même si l'église est vide, Dieu va remplir. Amen. Pourquoi la Bible dit qu'il lui ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Ce n'était pas Pierre qui ajoutait, ce n'était pas Paul qui ajoutait. C'était l'Esprit du Seigneur. Amen. Qui touchait le cœur, qui ramenait. Allez, mais écoutez bien, mais. Tu sais, quand je m'assieds, quand je m'élève, verset 2. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Qu'est-ce que toi tu peux cacher à Dieu? Rien. Là où tu es passé, là il connaît. Là où tu es passé, ce que tu as fait là dans le coin reculé, il le sait. Puisque ses yeux les voient partout. Non seulement là où tu passes effectivement, mais ce que tu penses même au plus profond. Donc devant Dieu, nous sommes exposés. Amen. Alors il dit, écoutez bien, il dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que des gens ô éternel, tu la connais entièrement. Amen. Donc avant même que la pensée que tu as soit exprimée, Dieu la connaissait déjà. Amen. Ce que tu vas dire, c'est pour ça. L'homme ou la femme qui a reçu la grâce de voir le baptême du Saint-Esprit, ce que l'Esprit du Seigneur est en lui, quand il veut dire quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit le bloque. Amen. Cet homme-là n'est plus un homme animal, c'est un homme spirituel. Amen. Parce que l'homme animal, il parle des blagues, blablabla, mais l'homme spirituel, non, quand il veut dire quelque chose de pas conforme, le Saint-Esprit bloque. Amen. Et il sent un frein, et il ferme sa bouche. Amen. Que la grâce d'être ainsi sous le contrôle du Seigneur. Alors nous revenons effectivement à l'île. Ephésiens chapitre 4, nous étions en train de parler tout à l'heure. Je ne vais pas rester trop longtemps. Alors il dit, donc, je vous ai dit, donc moi, les connaissances du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et puis il ajoute le verset de l'idée, en toute humilité et douceur, avec patience. Donc, c'est vraiment tellement important, parce qu'il dit en toute humilité, et l'humilité est une nature de Dieu lui-même. La Bible parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est humilié jusqu'à la croix. Il pouvait se venger, il pouvait faire, il a dit, bon, ils m'ont fait ça, je vais le faire, mais il n'a pas fait, il s'est humilié. Donc, effectivement, dans celui qui est devenu croyant, parce qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel.
S'il laisse le Seigneur travailler maintenant la personne, c'est qu'il veut que le Seigneur cherche à voir à ce que son caractère à lui, le caractère de Dieu, soit maintenant reflété dans le croyant. Mais si toi, oh, tu sais, dans notre famille, nous avons tous ces habitudes de pouvoir faire comme ça, je ne vais pas changer. Oui, c'est vrai que dans votre famille naturelle, vous avez toujours été comme ça. Mais maintenant, si tu es devenu un croyant, il n'est plus question de famille naturelle. Ah oui, parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Lorsqu'on accepte le Seigneur comme son sauveur personnel, il y a quelque chose que vous, vous faites pour Dieu, c'est-à-dire que, Seigneur, je veux réellement démontrer aux hommes que là, je ne veux plus vivre pour Seigneur. Ce quoi? Ce que je veux mourir avec toi. La Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui. Romains au chapitre 6. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit. Romains chapitre 6. Lisons à partir du verset 3. Dit Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Romains 6, verset 4, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, que ces anciens, que oui, dans notre famille, selon notre origine, je ne sais pas si c'est de noble, je ne sais pas moi, si c'est de quel côté, papa, nous avons écrit, soit de prince, je ne sais pas moi de quoi, alors c'est comme ça toujours que nous sommes, et puis bon, nous sommes toujours des princes, pas de problème, mais bien que tu sois prince dans la terre, que tu sois prince de noble, je ne sais pas moi où c'est, du 20, je ne sais pas moi si de contrée de l'Afrique, et puis le terre où ton père a été un roi, ça ne sert absolument rien, tout dans lequel, ou chinois, je ne sais rien, oh, nous sommes comme ça, nous délignés, et puis on doit se tenir comme ça, c'est bon. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. Le jour où tu étais là, enterré dans les eaux, tu étais mort. Donc, séparé maintenant de la famille naturelle, pour maintenant naître maintenant dans les choses de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Amen. Donc là maintenant, c'est une nouvelle naissance et nous entrons maintenant dans une autre dimension, mon frère. Tout ce que nous avons hérité de nos pères, de nos familles. Maintenant, je suis né maintenant de Dieu, je vais avoir le caractère de Dieu. Amen. Parce que je suis né de cette semence maintenant. Ou sinon, si vous accrochez toujours moi, Adam, c'est, en fait, vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est que tu n'es pas né de Dieu, donc tu n'appartiens pas à Dieu. Alors si tu es né de Dieu, eh ben, il faut que celui qui est né d'un homme, il a les caractères de son père en lui. Mais quand tu es né de Dieu, il faut que les caractères de Dieu soient gravés en toi. Priez-vous, frère, on ne marchande pas l'évangile, mon frère, ma soeur. On ne supplie pas les gens pour nous. On vous dit ce qu'il faut. Vous voulez accepter. Si vous ne voulez pas, vous en allez. Amen. Avec Dieu, on ne supplie pas, on ne marchande pas. S'il vous plaît, venez. Non. On dit, mais voici, tu veux la mort est là. Tu veux la vie, Christ est ici. Si tu veux la vie, alors tout doit changer. Amen. Amen. Oui, il faut que l'homme soit conscient de pouvoir vraiment comprendre que là, j'ai besoin de ça. C'est comme l'apôtre, c'est comme le prophète Élie, il dit, mais jusqu'à temps que je vous écoute. Je ne vous oblige pas. Vous avez balle ici, si vous voulez balle, prenez balle. Ah oh, mais balle est éternel. Il dit non. Faites un choix. Amen. C'est comme si les gens toujours disent qu'on les pouponne un tout petit peu. Oh, mon frère, mon soeur. Non, monsieur. On n'a plus de poudre pour vous pouponner. Ça, on l'a utilisé après. Il y a longtemps, la poudre est terminée. Amen. Non, maintenant, c'est là, vous savez comment les masques de l'aigle, effectivement, oui. Et quand les petits poussins sont bien là, bon, vous savez, il a mis un feu, je vois aller une peau d'un animal, jamais tué là, pour qu'il soit douilleux. Mais maintenant, il regarde, il dit, mais bon, je vous ai nourri. Ben maintenant, vous devez maintenant montrer que vous êtes aimable. Il enlève la peau et quand il veut s'asseoir, paf, c'est les picots. Eh bien, il faut voler, monsieur. Oui, on vous a trop saupoudré, effectivement.
oh, vous savez, oh, les pasteurs, il faut que oh, tu sois comme... Non, mon frère, tu n'as pas indiqué au pasteur comment il doit prêcher. Oh, mais tu sais comment tu fais. Non, mon frère, monsieur, frère. Non, c'est à Dieu de le conduire. Amen. Priez pour lui, pour que Dieu prenne le contrôle. Amen. Amen. Sinon, si votre pasteur un peu à gauche, il fait ça, il ne sera jamais bon. Amen. Ça, c'est un homme que Dieu doit conduire. Amen. Qui doit être dans la présence du Seigneur pour que Dieu lui montre ce qu'il faut pour son peuple. Amen. Si le peuple maintenant conduit les pasteurs et l'église, alors il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il faut que, non, que le peuple conduise, comprenne que non, c'est le pasteur. S'il a dit A, ah, ben nous faisons A. Ah. Amen. Donc, dans l'écriture, effectivement, là, il dit, en toute humilité, donc, verset 2, en toute humilité, donc, cette humilité, effectivement, c'est ce caractère, cette nature, effectivement, qu'on trouve et qu'on peut voir quand la nature de Dieu est exprimée, en fait. On trouve l'humilité. C'est pas quelque chose qu'on fabrique. Oui, dans le monde, effectivement, quand on n'a pas Dieu, des gens qui sont dans la religion, ils veulent fabriquer en fait une fausse humilité. Et si quelqu'un a vraiment l'esprit de Dieu, il verra très bien que c'est une fausse humilité. Amen. Amen. Une couverture que la personne a mis en soi. Mm-hmm. Mais quand vous n'avez pas à fabriquer en fait, quand simplement le Seigneur vient en vous, l'humilité vient. Amen. Et c'est le Seigneur qui a dit non. Que chacun de vous n'ait pas une aux hautes opinions de lui-même. Alors, c'est notre nature va toujours se voir plus important. Quand on est quelque part, il faut qu'on me remarque. Parce que moi, il faut qu'on voit que c'est moi. Hein? Et puis qu'on sache que je suis là, je suis présent. Non? Le Seigneur, quand il était aussi quelque part, il s'effaçait. Quand il est venu chez Simon, a-t-il dit, écoutez, Simon, donne-moi la première place. Quoi. Il vient, ah non, on l'a mis là, il s'est tenu là dans un coin. La preuve, c'est que quand les gens venaient passer, ils ne faisaient même pas attention à lui. C'est vrai. Même les esclaves qui avaient les pieds des invités, effectivement, ils n'ont même pas remarqué. Il était là assis, simplement assis. Et vous voulez simplement que ce soit moi, qu'on parle de moi, que ce soit moi, effectivement. En fait, ça veut dire que vous n'êtes pas mort. Vous voulez qu'on me remarque? Non, un chrétien, en fait, je n'ai pas comme ça. Il ne cherche pas qu'on le remarque. Pourquoi doit-on me remarquer? Seigneur, qu'est-ce que j'ai de plus? Non, je n'ai absolument rien. Si aujourd'hui, je peux aimer quelqu'un, ce n'est pas très grave. Amen. Tu ne peux arriver à pouvoir chanter, te glorifier. Ce n'est pas parce que j'ai fait des efforts. Mais c'est une grâce parce que j'ai été aimé, tu m'as donné. En plus, si je t'aime, c'est parce que tu m'as aimé. Amen. Amen. Oh mon frère et ma soeur. Vous allez dire que personne n'ait une trop haute opinion. Quand tu te rends je suis maintenant plus que ceci, c'est que tu es déjà plus bas. Amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu t'humilies, tu es toujours là, mais dis en dessous, le Dieu du ciel, il va certainement t'élever. Oui, frère. Parce que Dieu ne traite pas avec les orgueilleux. Amen. Il traite avec les hommes. Amen. Donc, en toute humilité, c'est-à-dire qu'effectivement, que, puisque vous êtes saints, vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire que Dieu, par sa grâce, a commencé à retirer effectivement toutes ces choses aussi mauvaises, immondes effectivement en vous. Vous connaissez cela, non? Amen. Puisqu'il le retire, il t'avait dit, pour que la nature de Dieu soit en vous. Alors, ça dit que l'orgueil aussi, il l'a retiré. Parce qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, dans cet âge où nous sommes, l'esprit orgueilleux, il n'est pas son plein, parce que c'est dit que les hommes seront orgueilleux. Fanfaron, blasphémateur. L'orgueil fait partie en fait de l'homme en fait. Il se regarde lui-même, il dit moi je. Quand vous êtes en fait à ce stade-là où vous êtes avec votre frère et votre soeur, vous trouvez la personne en face de vous moindre que vous, ce que vous n'êtes pas un croyant. Vous pouvez tout me dire, vous serez dans ce rédit, mais moi je ne vous ai jamais connu.
que chacun de vous, c'est le maître qui l'a dit, hein, regarde son frère, sa soeur, au-dessus de lui. Est-ce que vous avez compris, vos frères et soeurs, pourquoi on fait le lavage de pieds? Les enfants, on va laver. Non, il faut comprendre. Il dit ceci, il dit, mais vous m'appelez bien Seigneur et Maître. Mais moi, je vous ai lavé les pieds. Quelle humilité. Vous savez, je l'ai dit l'autre fois ici, c'est le travail d'un esclave. La plus basse, le plus bas qualité, effectivement, le plus bas niveau, laver les pieds des gens. C'est un esclave, effectivement, qui devait laver les pieds de ce maître, effectivement, parce que c'est les pieds qui travaillent différents endroits, avec cet effectivement, donc, arriver à pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment la basse classe. On peut dire plus basse. Alors, le Dieu du ciel. La Bible dit que le ciel ne peuvent le contenir. Les séraphes, les archanges, comme il dit, mais ces anges, effectivement, quand il dit, ils ne peuvent même pas le regarder. Les chérubins, ils ont 6 heures. Deux pour voler, deux pour couvrir la face, deux pour couvrir les pieds, qui disent, Saint, l'Éternel. C'est pour vous dire la taille et la grandeur de ce Dieu. Ça, je disais, vous prenez des heures un peu comme si. C'est votre droit. Mais c'est Dieu ne peut pas manquer les adorateurs. Amen. Il ne va pas vous supplier d'être dit, venez et priez-moi. Non. Il a des anges qu'il a créés qui le servent et qui le prient. Et de par le monde, il a de vrais croyants. Amen. Il ne peut pas manquer. Amen. Et voilà que c'est Dieu-là qui prend la forme d'un homme et qui descend et qui se met à genoux, prend l'eau dans un bassin. Lui qui m'a créé, qui m'a formé, moi qui suis mort de terre, il prend l'eau, il met dans un bassin, là, lui lui dit non. Il s'est saigné d'un linge. Vous, quand vous le faites, quand vous savez que la sainte lavage des pieds, vous allez d'abord vous bien vous laver les pieds, vous lavez bien là, pour là. Mais là, ils étaient surpris. C'est pas qu'ils avaient été prévenus qu'il y aura le lavage des pieds. Frères et sœurs, quand on lit les saintes écritures, entrez dans la parole. Amen. Ils n'avaient pas été prévenus, ils ont marché toute la journée là, dans les choses. Ils sont même marchés dans les choses des chameaux, des vaches, parce que vous savez comment c'était en Israël. Tout ce qui avait été là-bas, si vous allez voir comment c'était dans l'ancien temps, il passait des routes par aussi, mais avec des pierres comme on revenait, des saletés des chameaux, des vaches, donc, ils ont marché des temps. Puis paf, le soir là, pendant qu'ils m'ont dit, bon, après, le lendemain, on va se laver. Il dit, venez ici. Venez ici, pourquoi? C'est pourquoi Pierre a dit, Seigneur, non. Parle-toi quand même, lave les pieds. Parce que les pieds étaient vraiment dans ces conditions sales. Comme quand on arrive en fait à la maison, l'esclave vient le faire. Le Seigneur, il est vraiment un Dieu. Il a fait tout exactement. Et dans les conditions. Quand on est dans ces conditions, il devait être dans ces conditions-là exactement. Parce qu'il ne faut pas être un soi-disant croyant. Quand tu es un croyant, sois les 100%. Il voulait laver les pieds comme un esclave lave les pieds de ce maître. Donc il fallait que le maître ait marché vraiment longtemps parce qu'il avait les pieds avant de rentrer à la maison. Il vient avec la poussière. Et c'est comme ça qu'étaient les disciples. Les pieds sales. Et il a mis l'eau. Il les a lavés. C'était pour montrer moi. C'était pour nous. Moi, mon frère et ma soeur. Quand tu laves les pieds de ton frère, ton frère est supérieur à toi. Vous savez, j'ai ri parce que j'ai dit, c'est de la pitié. J'en venais d'un voyage missionnaire au Congo, Brazzaville, donc point de moi. Et là, le frère avait mis le désir que je puisse aussi, comme j'étais là, qu'il puisse arriver à voir aussi la Sainte-Sainte. Ah, il m'a posé la question, j'ai dit, mais. Le Seigneur a pris un seul pain. Il dit, mais frère, il y aura beaucoup de monde. J'ai dit, un seul pain, c'est un seul pain. Vous faites un pain, et puis là, pour la cuisine, vous prenez une seule coupe. Pas 14, pas 15, une coupe. Il dit, mais frère, il dit, mais prenez une coupe, un seul pain, Dieu prendra soin. Et on a fait un pain, c'est vrai. Et on avait une coupe. Et j'ai devais faire le service. Et quand on a coupé le pain, mon frère et ma soeur, on a prié.
toute cette foule-là a pu manger ce seul pain. Alléluia. Et toute la foule a pu boire la coupe. Il y a eu un dénominationnel qui était venu. Quand il a vu cela, il a dit, Seigneur, il a prié, il a témoigné devant lui, non. Rien que le fait de voir ça. J'ai dit, parce que les gens, dans les gens, ils ont peur que boire dans une coupe. Mais ici, vous avez montré ce que c'est que l'écriture, parce qu'il n'a pas parlé de l'écriture, et puis tous, on avait la même coupe. Il dit, non, c'est Dieu, il est vraiment le Dieu vivant. J'accepte maintenant de marcher avec vous. Amen. Dans la salle. Dans la salle. Et puis voilà maintenant. Quand on est passé maintenant à la vache de pied, il y avait des frères qui étaient là, des prédicateurs aussi. Alors bon, maintenant, je suis sorti aussi. Je demandais de linge, parce que je faisais aussi le linge, et puis j'ai pris. Je me suis servi là, comme la scène de qui te dit. Et puis, je vois un frère, prédicateur, il devait laver les pieds de son autre frère. Alors, je vois le frère qui s'était comme ça. Il lave les pieds. Je n'ai rien dit. Moi, j'ai mis mon linge, je suis venu, je me suis mis comme ça. Là. Et je me suis agenouillé comme ça, et j'ai commencé à laver les pieds du frère. Alors, le frère me regardait. Il me regardait. Il dit, mais c'est quand même mignon pour le frère. J'ai dit, si le frère, le Seigneur, lui, a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Et la manière dont mon Seigneur à moi, c'est lui d'abord le Très-Haut. Amen. Il est descendu. Et moi, je suis comme un esclave. Lui, maintenant, c'est lui que je lave les pieds. Mais il est le maître. Amen. Donc, je dois prendre la forme d'un esclave. Pas que je suis... Non, je dois pas... En fait, c'est un peu ça, la chose, frère. Quand nous devons entrer dans un service... On entre profondément comme les saintes écritures nous le disent. Amen. Alléluia. C'est sûr et certain. Je lave les pieds de ce frère, lui montrant que je suis l'esclave qui lave les pieds de son maître. Amen. Avec autant de reconnaissance à Dieu de la grâce, il m'a accordé moi de mettre en pratique cette écriture, effectivement, qui me rappelle que mon frère, il est au-dessus de moi. Amen. C'est quand vous le faites, effectivement, que vous comprenez pourquoi Dieu avait dit que c'est ton frère à toi, considéré comme étant au-dessus de toi. Et quand tu laves les pieds, tu accomplis l'écriture. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux-là qui font des cérémonies. Non, quand nous faisons, pratiquons ces choses, ça a une importance pour nous et que nous mettons vraiment la parole de Dieu en pratique. Amen. Moi, je l'ai fait. Si un autre pasteur bien prédicateur dit, écoutez, moi, je n'ai pas annulé ce que j'ai fait seulement là-bas, je vais passer. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que quand il faut le faire, il faut vraiment le faire. Amen. Et s'humilier et faire ce qu'il y a. C'est comme cela que vous aurez la bénédiction. Amen. La part du Seigneur. Donc, l'humilité est quelque chose que Dieu donne à un fils de Dieu. Parce que regardez bien. Toi, moi, je lui ai lavé les pieds. Moi, je lavais les pieds, il était au-dessus de moi. N'est-ce pas vrai? Amen. Et qu'est-ce qui s'est fait encore par la suite? Il a dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Amen. Donc, quand je vais m'asseoir maintenant, lui devient en dessous, moi je deviens au-dessus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Dieu nous instruit effectivement pour que nous puissions réaliser quelque chose que le frère qui est en face de toi, il a aussi le même désir que toi. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je ne vais pas rentrer si je reste aujourd'hui, le nom doit être l'autre. Regardez, donc, en toute humilité, l'humilité est quelque chose de très important parmi les. Ce qui cause parfois des problèmes, c'est la jalousie, l'orgueil. Est-ce que vous suivez? Amen. Jalousie, c'est moi. Amen. Vous savez, David, David n'avait rien fait à Saül. Vous savez cela, non? Amen. Quand la foule disait. Saül en a eu ses 1000 et David en a eu ses 10 000. C'est là que les problèmes ont commencé. Pourquoi on attribue à David ses 10 000 et moi 1000? En fait aussi, David avait fait plus quand même que Saül. Non, on doit m'attribuer moi les 10 000. C'est moi qui dois avoir les 10 000 et lui doit avoir les 1000. Là, les problèmes ont commencé. On veut toujours que ça soit moi. La jalousie, les querelles, les disputes. Regarde, malveillant, regarde-les comment il n'est pas bien, parce que moi je suis. Or, un fils de Dieu, une fille, il ne peut pas avoir de regard autant. C'est un péché, ça. Avec, alors, il dit, avec douce, en toute humilité, et douceur. La
La Bible dit que vos paroles, soient assaisonnées de sel et de grâce. Un fils de Dieu ne peut jamais avoir de paroles aussi que quand il dit quelque chose à quelqu'un, que ça blesse. Les insultes, une parole des. Donc, il ne peut pas. Il dit que Dieu a envoyé le. A enlevé le venin. Parce que vous savez, une parole qui est exprimée avec le venin derrière, avec intention, blesse beaucoup plus qu'un coup qu'on donne à quelqu'un. Vous savez ça? Dans les saints écritures, on a entendu aussi à propos de la langue. La langue. Cette langue qui dit Alléluia, gloire à Dieu. Après ça, tu vas maudire la personne. Après ça, tu vas insulter tout le monde. Vous connaissez, non? La même langue qui va chanter, la même langue qui va dire je t'aime, mon Dieu, c'est la même langue que tu vas utiliser pour pouvoir insulter ton frère. Donc, toi, la langue, alors tu deviens quoi? Vous connaissez le serpent? Il a la langue fourchue. Une ici, une là. Donc, la même langue que tu as à toi, à deux, elle est fourchue. Mais en fait, notre langue, je crois que c'est le psaume 45. Donc. Que ma langue soit comme la plume de la pluie écrivain. Je relève. Donc, nous devons savoir qu'effectivement, que, au sein, c'est-à-dire que l'homme, la femme que Dieu a sanctifié, il a enlevé le venin, en fait. Et ce qui sort, effectivement, parce qu'il dit, mais ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Qui suit l'homme. Ce que vous dites, en fait. Mais dis-moi, la douceur est une nature que Dieu donne, effectivement, de manière à ce que nous puissions être quelqu'un qui est doux, tendre. Vous prenez plaisir à être à côté, non? Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Vous prenez plaisir à pouvoir être avec, parce qu'elle est tellement si douce quand vous la regardez, sa façon d'être, de parler, effectivement. Mais lui qui est. Vous ne voulez même pas 30 minutes avec la personne? Parce que vous dites, mais j'étais bien quand je suis allé là-bas, mais je sors maintenant, mon cœur est tout sentez ça. Vaut mieux être dans une maison, dans un coin, manger même du pain sec. D'être dans une maison. Vous comprenez? Je donne des vivetés, mais. Ton intérieur n'est pas bien. Ça, oui. Avec patience. La patience est aussi cette nature de Dieu. En fait, ça, c'est ce que Dieu veut que ça se retrouve dans ses enfants. Pendant le temps où Dieu avait dit que je vais détruire la terre, allô, Dieu est resté patient. Il patientant pendant des années. Le Seigneur, notre Dieu, ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Amen. Il use de patience. Amen. Envers vous. N'est-ce pas vrai? Amen. Et Dieu aussi nous demande aussi d'avoir aussi la patience envers nos frères, envers nos soeurs. Quand ils viennent à la foi, ils ne marchent pas encore très bien, ils vous parlent. Tu dois. Non. Soyez patient. Amen. Parce que quand toi aussi tu es venu aussi à la foi, tu n'as pas directement marché, comme cela s'est levé. On devait t'aider dans la prédication de la parole, dans la prière, t'instruire aussi pour que tu puisses aussi arriver aussi à marcher comme le Saint-Écriture ne va pas marcher. Donc, nous aussi, soyons donc patients, vous supportant les uns les autres. En fait, c'est quand votre attention. C'est quand nous avons la patience que nous nous supportons. Amen. Quand nous sommes impatients, on ne peut pas se supporter. Bien sûr. Quand on a la patience, on peut supporter. Et la Bible dit, supportons les uns les autres avec amour. Et puis continue en disant, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen.
Parce que ce qui nous unit, nous tous, il y a quelque chose qui nous unit, nous tous. Et c'est vrai. Vous savez, dans le psaume 133, il est dit qu'il est doux et agréable pour de frais. Mais dans la version dernière, il dit pour les deux frères de demeurer unis ensemble. D'habiter ensemble. Et puis, contenu plus bas, dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme l'huile répandue sur la terre. Il descend sur la parole. C'est comme la rosée de l'herbe. L'huile représente quoi? C'est là que l'Éternel verse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Mon frère et ma soeur, sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas d'unité. Alléluia. Je vous ai dit qu'ici, on s'adresse en fait aux Éphésiens. Vous avez entendu ce qu'il leur a dit? En lui, Dieu nous a élus. Amen. Avant la fondation. Alléluia. Ne soyez pas impatients, je vais vous laisser partir. Vous voulez inviter aussi pour que vous puissiez aussi. Et ce que nous entendons est très important. Amen. Parce qu'après que nous aurons terminé de manger, nous allons rentrer chez nous. Il faut que nous comprenions. Qu'est-ce qui va se passer dans le jour à venir? Il faut que nous comprenions qu'est-ce que cette année ici qui a commencé nous attend et ce que Dieu attend de nous aussi dans cette année ici. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Parce que ce l'Esprit du Seigneur qui nous rend effectivement un, puisque le Seigneur a prié. Vous avez remarqué comment le Seigneur Jésus a prié? Regardez. J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, et partout. S'il y a une prière que Dieu va vraiment exaucer, Amen. C'est celle-là. Amen. Amen. Ah oui, celle-là, elle ne peut pas manquer. Amen. Je vais vous le prouver, c'est 100% vrai. Elle ne peut pas manquer. Il a vraiment prié de tout son cœur. Non, frère et soeur, le diable, vraiment, sa défaite, elle est vraiment grande. Amen. Amen. Alléluia. Il ne peut même plus réussir, c'est plus possible. Alléluia. Parce que le Seigneur a mis son sceau par la prière qu'il a décidé. Amen. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Il dit, je les ai gardés en ton nom. Amen. Tout ce que tu m'as donné. Aucun Dieu. Amen. Ah, j'aime Dieu. Amen. Et c'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Père Saint, je m'en vais moi. Mais je t'ai pris toi de le garder toi maintenant. Amen. Moi, je les ai gardés en ton nom. Amen. Aucun ne s'est perdu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, Père, tu ne peux pas manquer de les garder. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu m'as donné tes paroles, je les ai gardées, tu m'as gardé jusqu'au bout. Amen. La même parole, je l'ai aussi donnée. Et comme moi j'ai gardé ta parole, ils ont aussi gardé ta parole. Amen. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Amen. Non, que sont ces nous. Mais de les préserver du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Alléluia. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Frères et sœurs, il a prié de tout son cœur. Mettant les cachets pour que toi, mon frère, toi, ma soeur,
que cela ne puisse pas passer à côté de toi. C'est une unité de l'esprit, effectivement, où Dieu, le Seigneur lui-même, a eu un bois. Il a déployé. Regardez d'abord comme il dit. Jean chapitre 17. Regardez comme il nous fait savoir. Jean 17. Il dit. Ah oui. Jean 17. Il dit. Il veut dire. Verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Cette prière, le Seigneur le faisait pour toi, mon frère. Amen. Pour toi, ma soeur. Amen. Pour toi aussi, qui est venu peut-être pour la première fois, qui entend aussi ces choses, parce que ce n'est pas par hasard. Pour que tu comprennes aussi que le Seigneur montre que quelqu'un qui le reçoit comme son sauveur personnel, il ne peut plus être ami du monde. Amen. Le monde va te rejeter. Amen. Quand toi, tu as réellement reçu Christ. Parce que si tu l'as reçu, c'est que veut dire que ta vie à toi doit changer. Amen. Alors automatiquement, vous savez, quand moi, le Seigneur m'a ramené à lui, quand je lui dis, Seigneur, plus jamais le monde, j'étais encore à l'université ici à Saint-Louis, j'avais beaucoup d'amis, je n'ai jamais chassé mes amis. Jamais, je n'ai pas dit, écoutez, je suis devenu chrétien, vous ne venez pas chez moi. Non. On avait, c'était à l'université, puis le lendemain, et c'était pas mal de vacances, comme par vacances, ici, on a pu se. Le lendemain, donc après, au retour à l'unif, j'étais complètement changé. Mais mes amis sont venus à la maison, puis ils m'ont dit, écoutez, bon, viens, parce qu'on va encore sortir le soir, parce que c'était un vendredi soir, ils m'ont trouvé. Les disques qu'on avait, poubelles, c'était quoi? Le cantique à la maison. Ah, j'avais ma Bible. Je ne les ai pas dit, non, ils venaient, ils sont venus. Ils asseyez-vous. Asseyez-vous. Et ils entendaient la musique, c'était les cantiques. Ils voyaient que j'avais la Bible. Je n'ai pas dit, vous savez, ne venez plus chez moi. J'ai dit non. J'ai dit, voilà donc la vie que moi je mène maintenant. Il dit, c'est pas possible. J'ai dit, enfin, j'ai dit, oui. Dit, mais quand même, on peut sortir, aller quand même dans la boîte, prendre un petit verre comme à l'époque. J'ai dit, moi ici, sortir encore avec vous, pour aller encore dans la. En fait, il tombait de nuit, c'est pas possible. Il dit, mais parce que les changements pour moi c'était radical. Amen. 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 Il dit, moi ici, aller avec vous dans la boîte de nuit. Il dit, mais enfin, quand même, tu sais toi-même, évidemment, que même les autres congrès sont aussi des croyants. Ils viennent dans les boîtes et puis dimanche, ils vont à l'église. Moi, j'ai dit, eux, ils peuvent faire. Mais moi, jamais. Amen. Je ne peux pas, samedi, j'ai fait ça et puis dimanche, gloire à Dieu. Il dit, ah, ça passe pas chez moi. Moi, comme vous me voyez là, vous m'aimez comme je suis aujourd'hui, avec la Bible et les cantiques. Et vous venez chez moi, il n'y a pas de problème. Je ne les ai pas chassés, mais un à un. Ah, je n'avais plus rien de commun. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le monde directement, il voit que, eh bien, ici, nous sommes en danger. Parce qu'on essaie de le convaincre, il ne veut pas venir, alors on est en danger. D'aller chez quoi? C'est que nous aussi, nous soyons comme lui. Voilà pourquoi le monde vous déteste. Satan va vous haïr. Pourquoi? Parce que vos amis vont être convertis. Il dit, mais si tout le monde maintenant vient à Dieu, moi je perds maintenant les lieux pour travailler. Est-ce que vous comprenez? C'est un combat. Donc, le monde automatiquement vous déteste. Parce que les gens ne comprennent pas en fait. Dieu aime les gens. Mais c'est vous qui devez comprendre effectivement le choix que vous faites. Il dit, mais continuons rapidement parce que. Et maintenant, je leur ai donné ta parole, verset 14. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin.
Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je t'ai aussi envoyé dans le monde. Le verset 19 est ici. Et je me sanctifie moi-même pour eux, Amen. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Donc, quand il a dit cela, mon frère, il faut que tu saches ceci, mon frère et ma soeur, c'est que la sanctification ne peut pas manquer pour toi. Amen. Il a fait pour toi, effectivement. Il dit, mais je me suis sanctifié moi-même, Père. Tu vois donc, effectivement. Mais quand Dieu regarde, effectivement, lorsqu'il te regarde, toi, mais Dieu ne te voit pas. Amen. Dieu voit Christ, voit ce sang qui était versé pour toi. C'est cela que Dieu a grillé. Et toi, tu ne viens pas au nom de Jean-François, au nom de Jean-Robert, au nom de Jean-Gabin, au nom de Léonard. Non, tu viens au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, ce ne sont pas mes mérites. Mais je viens au nom de celui qui a accompli pour moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, si toi, tu viens comme ça, si l'autre vient comme ça, avec de telles dispositions, qu'est-ce qui va se passer? Nous l'avons entendu, je crois que c'était David, notre précieux frère Christian, nous a lu l'écriture ici. Le revient, il est déjà venu. Où le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'esprit et la vérité. Donc l'esprit de Dieu et la vérité. De Dieu, par l'esprit. Et cet homme, ou cette femme, effectivement, sanctifié, et Dieu ne peut pas manquer de venir prendre possession de la personne. Donc, c'est l'unité de l'esprit de Dieu qui nous rend tous un et qui nous permet qu'effectivement que nous puissions maintenant avoir quelque chose de commun. C'est quoi en fait? Je voudrais que vous compreniez ceci. La raison pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est pour que nous soyons totalement et complètement identifiés à lui. Chacun de nous, en tant que fils de Dieu. Pas le groupe, pas les églises, mais chacun de nous, individuellement, que nous soyons identifiés à lui. Il faut cela. Il faut que chacun soit conscient que ce que Dieu veut, ce n'est pas je regarde mon voisin, ma voisine, je me regarde moi d'abord. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu en moi? Qu'est-ce que Dieu a fait avec moi? Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Parce que la Bible dit, je vais te répondre, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8. Donc, je dois m'examiner, moi, pas regarder le frère ou la soeur, dire, moi, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Parce que tu as dit, si quelqu'un n'a pas ton esprit à toi, Romains 8, il ne t'appartient pas. Donc, s'il ne t'appartient pas, ben, il appartient à Satan. Ce que moi, je veux savoir, ton esprit. Alors c'est aussi le voisin qui a côté de toi. Parce que le jour de Pentecôte, la Bible dit que ceux qui étaient là, effectivement, dit, mais comment ça se fait? Écoutez s'il vous plaît pour l'amour de Dieu. Et comment ça se fait que chacun de nous, donc moi, toi et l'autre, nous les entendons parler de merveilles de Dieu dans notre propre langue maternelle. Je n'ai pas le groupe, donc j'étais dans le groupe, effectivement, mais chaque personne qui était là, lui-même était touché, il s'est senti concerné. Vous connaissez, non? Acte 2. C'est à ce moment-là, effectivement, que chacun a été concerné, touché dans ton cœur, et puis les qui est sorti comme des salons. Oh, homme fait! Donc toi aussi, tu faisais des... En fait, vous savez, je n'ai pas concerné, mais tu en une fois, non? Tellement que ça bouillonnait les frères de l'ordre. Ah, oh, on fait. Donc, tous ensemble,
Les cris est sorti parce que quelque chose s'était passé dans le cœur des individus. Et quand c'est pas le cœur de Dieu, effectivement, tout le cœur a été touché par la parole de Dieu, il y a un travail que le même esprit a fait pour tout le corps. Et ça veut dire quoi? Ils ont crié. Puis on leur a dit ce qu'il fallait faire. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui reçurent de bon cœur la parole de Dieu, ils furent baptisés. Amen. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, les fractions de pain. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mon frère, cette année, nous devons prendre conscience des choses de Dieu. Vraiment, et les prendre véritablement au sérieux. Quand ils ont reçu chacun de sa part la parole de Dieu, ils étaient devenus conscients qu'effectivement, ici, j'ai besoin de ces dix, je ne sois pas entendu. Comment l'Église va faire? Non. Moi. Puis l'autre sens, se rendre compte ce qui passe avec l'autre. Moi, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me manque. Quand ils ont compris, lui, il a compris. Il me faut ce Jésus. Il me faut cet esprit. Il me faut cette vie, effectivement. L'autre aussi. Et ça, le Seigneur l'a fait. Et la Bible dit qu'effectivement, quand ils sont rentrés, j'ai toujours aimé cela parce que je les ai apportés ici, vous ne pouvez pas trouver dans les Saintes Écritures que ces jours-là, le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre, pendant qu'il prêchait, il a dit, maintenant que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous avez été baptisé, quand vous allez rentrer chez vous, vendez vos biens, venez avec l'argent. Si tu as deux champs pour montrer de l'amour à ton frère, vends un champ, ramène ici l'argent, effectivement, pour nous les apôtres, pour servir Dieu. Il n'a jamais dit cela. Rien du tout. Mais chacun qui est rentré, comme mon frère, comme ma soeur, comme mon frère, chacun s'est venu à la maison, il rentre comme ça, sans s'être entendu. Il regarde, il dit, oh, j'ai deux champs. Elle regarde, il dit, mais j'ai 14 jupes. Lui regarde et dit, oh, j'ai 6 vaches là-bas. Ah, donc demain, je prends 4 vaches pour amener. Lui, il dit, mais j'ai des champs. Ah, non, je vais prendre un, je vais vendre l'argent, jamais. Elle dit, mais 14 jupes, mais je vais prendre au moins 8 jupes, jamais. Ils n'ont pas entendu, c'est sur le chemin en venant. Oh, il a dit, non, je vais voir aussi. Et puis, tu vas où? J'ai eu dans mon cœur ça. Donc, chacun, mon frère, à la maison quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? La parole dans le cœur. Alléluia. Frère, nous n'avons pas besoin d'histoire ou des églises. Nous avons besoin de Jésus. Amen. La parole restaurée, Amen. Manifestée, frère. Simplement reçois-le. Ta vie va changer. Amen. Amen. Tu as toujours végété des années et des années. Mais un point. Amen. Il dit, Seigneur, je suis fatigué. Amen. J'ai fait, je n'avance pas. Mais j'ai entendu que tu es capable. Amen. Eux aussi, ils étaient comme moi. Amen. Ils ont abandonné. Mais là, tu les as fait savoir Amen. Ce qu'ils devaient faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a prié pour quoi? Il dit, mais pour qu'ils soient un, c'est comme une philosophie. Non, mon frère, le jour de Pentecôte, parce que Jean 17, c'était avant la Pentecôte. Oui, Jean 17, c'était avant la Pentecôte. Et quand la parole a été prêchée, effectivement, vous avez entendu Pierre dire, oh, je vous en supplie, croyez, sinon, oh là 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 là, et puis restez avec nos apôtres. Non. Répandez-vous, vous dites, fouillez ces gens. Il ne parlait clairement. C'est la parole de Dieu qui change les hommes. Amen. Moi, je ne peux pas changer quelqu'un. Il n'y a qu'un seul qui change. Amen. Amen. C'est le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Quand la parole a eu à pouvoir travailler le cœur, ils l'ont reçu de bon cœur, effectivement. Ils sont partis chez eux. Eh oui, le Seigneur avait prié. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi. Amen. Par leur part. Vous connaissez, non? Amen. Afin qu'ils soient tous un.
Quelle grâce, mon frère. Le jour de Pentecôte. Les uns venaient de l'Arabie, de tous les de la Chine, de la Flandre, je ne sais pas moi, de la Wallonie, de Congo, je ne sais pas moi, du Gabon, du Cameroun, du Sénégal. Oh oui, regardez bien, la Bible est claire, regardez très bien. Tous ceux qui étaient sur la surface de la terre, je crois bien que Acte 2, en ces jours-là, il y avait à Jérusalem, Acte chapitre 2, en ce jour-là, il y avait donc à Jérusalem, 1000 convertis. Voilà. Verset 5, Acte 2, ça dit, oh, il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs impurs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Pâtes, vous voyez, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille et Dieu? Ils étaient tous étrangers puisque chacun parlait dans sa langue. Ils n'avaient pas de rapport entre eux, puisque bon, toi tu parles du chinois, moi je parle le wallon, rien à voir avec toi. Puis tu viens de la Chine, moi je suis de la Wallonie, et on n'a rien à voir avec toi. On peut être des chrétiens, mais quand je dis toi, tu es les frères jaunes. Moi, je suis le frère de... C'est comme ça, non? Oh Dieu! Vous ne sentez pas choqué. Vous avez dit, mais, ah, les frères de couleur. C'est comme ça qu'on dit, non? Les frères de couleur. Mais j'ai dit, mais qui est frère de couleur? Ah, vous, les frères de couleur. C'est vrai, non? Si je vous pose la question, mais qui est le frère de couleur? Y a-t-il un frère de couleur ici? Non. Non, nous devons changer de langage. Mon frère est mon frère. Amen. Mon frère n'est pas mon frère de couleur. Mmh. Il n'y a pas de couleur de mon frère. Mmh. C'est frère, frère et soeur. Vous voyez les expressions pour dire les frères de couleur. Donc, qui est un frère de couleur et qui n'est pas frère de couleur? Nous sommes tous de couleur sur l'âme. Mais notre vraie nature, Amen. C'est pas l'extérieur. Amen. C'est quand on est encore charnel dans le monde. Ouais. Ah ben c'est sûr et certain, frère. Mais c'est pas ça, c'est parce que cet esprit-là travaille dans les gens. Et ici, il veut voir, mais tu viens de la crête là-bas, moi je viens là-bas. Mais quand la parole de Dieu est entrée, il a regardé et dit, oh mais c'est pas possible. Amen. Moi je pensais que tu étais crétois, mais tu étais donc mon frère. Amen. Il n'y a plus de crétois, non, c'est mon frère. Amen. C'était la couleur des crétois, mais l'intérieur c'est toi. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Amen. C'est vrai, mon bien-aimé. C'est vrai. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes des vrais fils et filles. Alléluia. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de ponts. Le monde peut avoir des barrières. Mmh. Mmh. Pas. Mmh. Non, il n'y a pas, parce que nous sommes nés de Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait prendre ses biens, aller donner à celui qui vient de la crête. Effectivement, il dit, mais j'ai vu qu'il n'avait pas beaucoup de pensées d'autres. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Amen. Mmh. Et la Bible dit maintenant, elle est très bien. Chapitre 4. Acte 4, verset 32. Il dit, c'est merveilleux Dieu. Acte 4, 32, dit. La multitude de ceux qui avaient cru. Vous entendez cela? Amen. Donc de tous ceux-là qui sont venus faire dire, la multitude de ceux qui avaient cru, qu'est-ce qui s'est passé? N'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur a prié, c'était vrai. Puisque cela aussi s'est accompli ici. Amen. Le jour où l'Église a pu être manifestée, la Bible dit que tous sont sans, tous les petits étaient seulement qu'un seul cœur, une même âme. Amen. Ils avaient le même esprit. Amen. Ils étaient unis, mon frère. Amen.
Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que nous, nous lisons, nous parlons de Dieu, effectivement, frère, Dieu n'est pas un Dieu historique. Non. Puisqu'il a prié, il a fait ses jours de Pentecôte, il est censé les faire encore aujourd'hui. Alléluia. Ah oui, l'unité est possible, frère. Amen. Avoir le même cœur, le même amour, quand tu es ton frère, il n'y a plus de différence parce que c'est mon frère. Amen. C'est ma soeur. Amen. Mon frère et ma soeur, si cet amour de Dieu n'est pas en toi, tu peux déjà te dire que quand le temps viendra, ta part à toi est dans le temps des feux. Amen. Nous chantons que c'est l'amour parfait qui fera quoi? N'est-ce pas vrai? Seul, parfait, il entrera. Mais l'amour qui fait la différence, ce n'est pas l'amour parfait. N'est-ce pas? Tu n'entends pas trop bien. Amen. Oui, mon frère. Si ton amour à toi fait la différence encore qu'aujourd'hui, tu peux choisir ceux que tu peux aimer parce qu'ils sont australiens, je ne sais pas très bien. Il y a un souci quelque part dans ta foi. Je ne veux pas dire que je suis quelque part. Parce que la Bible dit qu'il faut que nous soyons. Amen. Amen. Vous voyez bien que l'extérieur ne sert à rien parce qu'il a dit tu as été tiré de la poussière. Amen. Tu retourneras dans la poussière. Amen. Ce qui est important, c'est cet homme spirituel Amen. Qui est à l'intérieur. Amen. Voilà, c'est lui sur qui on doit fixer le regard maintenant. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de moi? Tu n'as pas fait de moi un homme charnel. Non. Tu as fait de moi un homme spirituel. Amen. Alléluia. Je veux la même chose pour mon frère. Amen. J'ai la même chose pour ma soeur. Pourquoi? Pour que comme l'écriture le dit, ah ben, Julie, tu termines par l'écriture là. Oui, puis je ferme. Un pied. J'aime beaucoup cette écriture. Puis nous prions, puis nous allons lire, et puis nous allons prier ensemble. 1 Pierre, au chapitre 1. Lisons à partir du verset 22. Lis. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel. Vous aimez ça, non? Pour avoir un amour fraternel sincère. Vous comprenez cela? Pas hypocrite, pas double. Et puis, écoutez, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Mais c'est vrai, quand la vérité est là, elle sanctifie, elle nettoie, elle arrache ce qui est de l'hypocrisie, ainsi de suite, elle donne la nature vraie d'un fils de Dieu. Et il dit, mais pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Non. Quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur, mon cœur doit bondir de joie. Amen. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Amen. C'est ma soeur. Donc ce qui est à mon frère, c'est aussi à moi. S'il est dans un problème, c'est aussi mon problème. Amen. Mon frère est en difficulté, je dois prier pour lui parce qu'il est bien. Amen. J'aime Abraham. L'autre était parti, c'était son neveu. Il n'a pas été combattu de nom. Quand il a entendu que l'autre était saisi, ah! Il dit, celui-là, il est mien. Amen. Je veux le revendiquer. Amen. Amen. Comment vous priez pour quelqu'un de vous aimer? Parce que prier pour quelqu'un, ce que vous mettez votre amour pour la personne dans la situation dans laquelle il se trouve, effectivement, pour que cette personne sorte de cet endroit. Amen. Sans amour dans la prière, rien ne va se faire. Amen. Mais si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas prier pour lui. L'amour est une puissance. Amen. Et puis il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Et puis il dit, de tout votre cœur. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'ils sont là. Il dit, mais un amour fraternel, ça c'est sans hypocrisie. Hein. Sans hypocrisie, il dit, ah, oh, je t'aime quelque part. Tu dis, qu'il s'est un peu plus loin de moi. Vous comprenez? Oh, gloire à Dieu, j'ai tellement Jésus-Christ, j'ai tellement Jésus, j'ai tellement Jésus. Et en fait, il dit, mais il faut mettre qu'il passe même pas par chez moi. C'est vrai, non? Amen. Pas comme ça, vous allez dire, bon, puis s'il vient, qu'est-ce que les voisins vont me dire? Oh, c'est rapide. Bon, on se voit quand même à l'assemblée. Gloire à Dieu, frère, je vais passer. Non, j'ai passé, on se voit à l'assemblée.
Vous avez honte de votre frère, de votre soeur. Oui, donc, je suis en chemin pour Canaan. On va aller au ciel, on va aller au ciel avec qui? Tu ne m'aimes que quand on est à l'assemblée, en dehors, quand je vais passer chez toi, tu as honte de moi, ou tes voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et vous dites que nous sommes en train de marcher avec Dieu. Oh, j'aime mon frère et ma soeur. Quand j'aime ma soeur, quand j'aime mon frère, c'est dans toutes les circonstances. Amen. Et puis vous savez, j'ai des voisins. On se connaît bien. Quand je suis venu l'habiter là-bas, regardez, parfois comme un peu l'habitude un peu dans le province du chemin là-bas. Ils sont un peu petit nombre là. Un jour, elle voit. C'était un week-end. Je n'ai jamais travaillé. Ah, Zafira. Vous savez, Zafira, mon père Zafira. Un bataillon qui sort de Zafira. Et puis notre Zafira. Pouf, bataillon qui sort de Zafira. Il vient où je suis. Ouais. Il me dit, bon. Léana, comme bête. Oui, mon ami. C'est qui là? Je dis, mais c'est son frère. Le frère, ok. Un groupe est parti. Le lendemain encore, il dit, oh, frère. Oh, il dit, mais attends là, mais. C'est qui encore? J'ai dit, mais c'est son même frère. Ah, ça n'a fait beaucoup. J'ai dit, oh, j'ai une grande famille. Ah, j'ai dit, vous les verrez dans le quartier. Ils viendront. Ce sont mes frères, vos frères à vous. Oui. Vous voyez, je ne suis pas en train de. Je ne suis pas en train de dire là, dis-moi, oh mes frères, qui? Je dis non. Il dit, c'est mon frère. On va dire, non, regarde, mais brouille, non, c'est mon frère. Comprenez, je vous explique. Non, je vous explique rien. Amen. Je vais vous expliquer. Lui là, c'est mon frère. Ton frère. Mais oui, mon frère. Amen. Vraiment, frère. Je dis, mais que bon, c'est le mien quand même. Amen. Beaucoup comme ça, mais oui, beaucoup. Il dit, c'est mon frère, c'est son mes frères et soeurs. Ah oui, les vôtres. Mais bien sûr que c'est. Amen. Ah, maintenant, ils ont compris. On ne pose plus la question. Frère, mais c'est ça. Je suis heureux. J'ai dit, mais j'ai une famille. Ce sont mes frères. Pas que dire, les frères de l'église. Non, nous, on se retrouve simplement là-bas parce qu'on a la joie. Mais ce sont mes frères. Amen. Dieu m'a donné. Amen. Si je parle ici, je parle avec eux. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous devons être conscients. Je termine par suite de la prière. Alors, il dit ceci. Chapitre 1, verset 22. Dit, donc, je vais dire encore. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de votre cœur. Verset 23. Pourquoi? Parce que vous avez été régénérés, c'est-à-dire, il est de nouveau, non par une semence corruptible, c'est-à-dire que l'homme, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Et venons. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Et le Seigneur. N'évanez-vous pas beaucoup mieux que considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Et l'orage
Esprit. Nous te louons de tout le monde de toi. Nous remercions tous ce matin que tu as pris pour la grâce que tu as donnée. Nous te remercions pour tu as fait nous mangeables, mon Dieu. Parce que Seigneur, tu vas changer de toi. Qui te blasphème, qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Abraham, qui se sent pas, qui a marché avec Abraham.
grâce à Dieu. Seigneur, mets ta promesse en notre défense ici. Avec nous, on donne, Seigneur. Oh Dieu, adresse notre mandat. Alors que tu puisses, au nom du Seigneur Jésus, toucher leur cœur. Et que tu puisses faire en notre nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. 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 Parce que ta parole est la même. Qu'ils puissent venir à toi, touche dans leur cœur, Seigneur, le plus profond de leur cœur, et toutes les mauvaises choses de leur pensée, de leur désir, et qu'ils puissent venir entièrement à toi. Oh Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Je ne suis rien sans toi, Père éternel. Oh, tu as le contrôle de toute ma vie, tu guides ma vie, tu guides mes pensées, tu guides mes désirs. Et c'est la première Dieu parmi nous, mon Seigneur, parce que je l'ai confirmé ta parole à toi, Père, que les âmes soient sauvées. Que ma prière, alléluia. Je veux ma confiance en toi, que les âmes soient libérées, je veux complètement ma vie. Je suis nourri avec toi, de nouveau commence à mon roi, il est prêt dans le cœur. Jésus-Christ, l'autre être de l'éternel. Oh, c'est ta maison, c'est ton endroit, Père. Mon frère, ma soeur, mon frère, 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 mon frère,
Je te supplie, Seigneur. Oh, ce ciel est né. Toi, le roi des rois, le Seigneur, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit tué. Que ton Saint-Nom soit loué. Tu nous as sauvés, Père. Tu nous as sauvés, Père. Alléluia. Comment te remercier, Père. Tu es vraiment un Dieu d'amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Comment te remercier, Père. Oh oui, tu nous as sauvés. Ton sang nous lave, Seigneur. Ton sang coule encore sur la croix, Seigneur. Oh, tu nous as libérés de nos péchés, Seigneur. Tu nous as sauvés, Père. Alléluia. Alléluia. Ta main est tellement puissante, agissant pour moi. Oh, je chasse tout des esprits. Oh, prends le contrôle de l'hiver. Oh, oui. Et agis encore. Ah, je sais. Que le cœur soit ramené à toi. Prends pour ta gloire, maître de l'éclair. Oh, agissant pour toi, Père. Oh, tu es digne d'être glorifié. Amen. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Je te prie ainsi, Père. Amen. Merci. À toi soit la gloire, tout son honneur. Pour toi que nous vivons. La victoire. Nous avons la victoire. Merci pour ta présence pour moi. Oh oui, Seigneur. Merci pour ta délivrance. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour le renouvellement, Père. Nos cœurs ont été changés. Touchés par toi, Père, avec toi. Je te loue de tout mon cœur. Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, mon Dieu, mon Dieu? Tu as vu le cœur pour moi. Tu as vu aussi l'humilité de moi. Tu as vu aussi les désirs de la puissance. Qu'il soit béni. Que tu puisses me donner la réponse. Qu'il soit fortifié, Père. Qu'il soit fort. Nous avons besoin de toi. Qu'il soit béni, Père. Je te loue. Oh, t'aimes. Rends gloire à ton Seigneur. Amen. Reçois-nous, mon béni, Père. Parce que nous sommes à toi, mon Père. En dehors de toi, il n'y a pas de paix. En dehors de toi, il n'y a pas de bonheur. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Mais en toi, il y a le bonheur. Amen. En toi, il y a la vie, Seigneur. En toi, nous possédons tout. Amen. Que ton nom soit béni. Alléluia. Que ton nom soit béni. Ah. Et je n'ai rien à craindre. Yeah.
Seigneur, nous avons entendu ta parole et nos cœurs ont été vivement touchés, Seigneur. Chacun a reçu sa part, mon Sauveur, ce que toi, tu avais préparé pour nous ce jour éternel. Oh Père, tu veux vraiment nous montrer et nous faire conscience, mon Sauveur, de ce que toi, tu veux faire pour nous encore dans cette année, Seigneur. De tout notre cœur, nous voulons te remercier parce que tu as formé des projets de bonheur pour nous, Seigneur. En Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est vrai que la maladie viendra, mais nous avons la guérison, notre Dieu. C'est vrai que les épreuves viendront, mais nous avons la solution, notre Seigneur. En toi, nous avons tout pleinement, mon Sauveur. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ce que toi, tu as accompli pour nous à la croix de Golgotha. De tout notre cœur, nous voulons t'aimer, Seigneur. De tout notre cœur, nous voulons te servir, Seigneur. De tout notre cœur, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons vraiment nous abandonner simplement de tes mains, afin que tu fasses de nous ce que tu veux, oh Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Oh, réellement, Seigneur, cette attitude de désinvolture, mon Sauveur, de négligence, puisse vraiment nous quitter, Seigneur. Et que nous puissions vraiment prendre au sérieux l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te servir de tout notre cœur, avec zèle, mon Dieu, avec amour, avec empressement, mon Sauveur. Oh, accorde-nous vraiment cela, notre Dieu, que cette année soit bénie pour chacun de nous, notre Père, que nous puissions vraiment t'expérimenter, Seigneur, que nous puissions vraiment te toucher, oh Dieu, que nos vies soient changées et transformées, Seigneur, que nous puissions être comme tu le veux, mon Dieu, comme nous l'avons chanté, comme nous le prions, Père. Bénis ton serviteur par la bouche duquel tu nous as parlé, Seigneur. Oh oui, Père, quand même Père parle à ses enfants, tu as, Seigneur, adressé une sainte convocation à chacun de nous. Tu nous as montré comment nous devons faire les choses, comment nous devons nous tenir dans ta maison, comment nous devons considérer ta parole. Seigneur, nous te prions, Dieu, que tu nous aides vraiment. Que cette semence qui a été plantée encore ce matin puisse vraiment porter du fruit, oh notre Dieu. Bénis ton serviteur, remplis le vase, oh Père, ce qui a été sorti pour nous ce matin. Puisses-tu, Seigneur, nous en redonner encore davantage, que tu puisses le tenir simplement dans le creux de ta main. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur, remplis, Seigneur, encore et bénis ce ministère qui en bénissons pour beaucoup, mon Sauveur. Souviens-toi, Seigneur, ton frère Yves, au Père, ton serviteur, Père, pour qui nous prions aussi, Seigneur, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, oh Dieu, qu'il soit conduit par toi, Seigneur, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Oh, encore plus de toi, Seigneur, encore plus, oh mon Sauveur, en cette année nouvelle, mon Père. Tiens ton serviteur dans le creux de ta main. Bénis chacun de nous, mon Père, que nous puissions, comme la parole l'a montré, que nous puissions encore davantage nous aimer, Seigneur. Oh, Père, que cet amour véritable puisse demeurer dans le cœur de chaque fils et fille de Dieu. Oh Père, que ton nom soit loué, etc.
exalté. Seigneur, nous nous réjouissons, Seigneur, de nous tenir dans ta présence éternelle. Heureux un jour dans tes parvis, que mille ailleurs recevront ce moment. Une réalité pour nous, Seigneur. Nous voulons demeurer à tes pieds et chaque jour et chaque instant de notre vie être instruit et conduit par toi. Béni sois-tu notre Dieu, bénis nos enfants, bénis chacun de nos pères, que nos cœurs soient à toi, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Si profond.